Est-ce que vous m'entendez? On va commencer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vous remercie d'être présents pour cette cinquième conférence de l'association Les Lundis d'Ensta Paris. Et nous avons l'honneur d'accueillir ici ce soir à Ensta Paris, Monsieur Laurent Castagnède. Bienvenue, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Laurent Castagnède, vous êtes diplômé de l'École Centrale Paris. Vous avez travaillé 9 ans chez Renault. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil BCO2, qui lutte pour une décarbonation du secteur du transport et du logement. Vous êtes aussi conférencier en impact environnement, mais vous êtes également auteur de 2 livres. Le premier, Herbivore ou la face obscure des transports, paru en 2018, et le deuxième, La bougeotte, nouveau mal du siècle, paru en novembre dernier, dont il y a quelques exemplaires ici à l'avant, qui sont en vente et qui sont dédicacés par l'auteur. Je vous laisse la parole et je vous souhaite à toutes celles et ceux qui nous écoutent une très belle conférence. Je vous remercie. Alors je vous remercie, je suis très content, très honoré de venir ici. Effectivement, je suis l'auteur de 2 livres, dont les messages, je pense, compte tenu des, même s'ils se vendent correctement, les messages passent beaucoup plus finalement au travers de conférences, d'interviews médias, que directement de lecteurs, même si je vous invite évidemment à les lire. Voilà. Donc effectivement, je suis sorti de Centrale Paris en 1993, j'ai travaillé chez Bouygues 6 ans, chez Renault 9 ans dans le développement des véhicules. En 2009, pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir dans le sud-ouest à Bordeaux. Je me suis mis à mon compte pour faire essentiellement des bilans carbone dans les bâtiments, dans les événements et dans les transports. Effectivement, je suis l'auteur des 2 livres dont on a parlé. Donc là, aujourd'hui, donc on va parler des transports et de la vitesse. Donc on a voulu titrer l'empire et l'emprise de la vitesse pour essayer de vous donner des éléments, on va dire, culturels sur les transports. Parce que je trouve que ça manque, on en reparlera dans le discours ambiant. Voilà, donc là, mais ça c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, les 2 livres, vous avez les couvertures, et puis il y a quelques dossiers, la revue de presse des livres avec différentes vidéos, podcasts, tribunes, etc., que vous pouvez retrouver sur bco2.fr avec tous les liens liés aux 2 livres. Alors, je sais que Jean-Marc Jancovici, que j'ai pu écouter moi-même, est passé vous voir, donc je ne vais pas redire ce qu'il a très bien décrit. Juste vraiment un très très bref résumé pour se remettre un petit peu dans le bain, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre. On va parler aussi de la pollution. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, grosso modo 2019, c'est à peu près 58 milliards de tonnes, bon, 3 fois l'absorption naturelle. Les 2 tiers du sujet, c'est du pétrole, du gaz et du charbon. On va parler des transports. Les transports, grosso modo, c'est à peu près 30% du total. Alors, quand je dis 30% déjà, si vous regardez les camemberts, par exemple celui-là qui date du dernier rapport du GIEC, pas du dernier, enfin celui qui était un petit peu avant, où il y avait ce camembert qui n'est pas encore, à ma connaissance, sorti pour le nouveau, où là vous voyez transport, 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 je ne l'ai plus en tête, mais vous avez voilà 14% par exemple en orange. Mais attention, ce 14%-là, c'est que en gros le gaz CO2 qui sort des pots d'échappement et des tuyères, en gros, des engins mobiles motorisés. C'est-à-dire que les transports, ce n'est pas du tout que ça. Les transports, c'est aussi des infrastructures à construire. C'est-à-dire que quand vous avez des routes, des parkings, des choses comme ça, il y a du ciment, du béton, plein de matériaux. Vous avez aussi les véhicules eux-mêmes, avec beaucoup d'acier, plein de métaux à construire. Tout ça, c'est des gaz à effet de serre qui, dans le camembert de gauche, sont en fait dans l'industrie. Après, vous avez des transports électriques. Alors à ce moment, c'est dans l'électricité qu'il faut aller chercher les transports. Donc, quand on additionne en fait toutes les sources, on arrive presque à un tiers. Grosso modo, retenez qu'au niveau des gaz à effet de serre mondiaux, vous avez 4 tiers. 4 tiers, la somme fait bien 1, parce que vous avez des transports pour un tiers, de l'alimentation pour un tiers, du confort thermique autour des logements et des bâtiments, un tiers, et des produits manufacturés, un tiers. Et la somme fait 1 parce qu'en fait, ce sont des tiers qui se chevauchent. Quand on transporte des aliments, par exemple, vous pouvez le compter dans le transport, mais vous pouvez le compter dans l'alimentation. Donc en fait, on a 3 tiers qui se chevauchent, et si on regarde que les transports, on obtient un ordre de grandeur de 30%. Et ce 30% se décompose à l'intérieur, avec des pourcentages que vous avez là, qui peuvent se retenir aisément en se disant: tous les transports en gaz à effet de serre, c'est à peu près 40, 30, 20, 10 et 1. Aux arrondis près, ça fait 100%. 40% des transports, c'est les automobiles, en gros les voitures. 30% les camions, 20% les avions, 10% les navires, 1% les trains. Voilà.
la somme fait 100 aux arrondis près, ce qui donne à peu près les pourcentages qui sont là. Donc ça c'est en gaz à effet de serre. Attention, c'est pas proportionnel à la pollution. Par exemple, typiquement, les deux roues, en gaz à effet de serre, c'est pas grand-chose, mais dans les villes, les deux roues, c'est très polluant. Okay, sauf s'ils sont tous électriques, par exemple, dans certaines villes chinoises qui sont polluées par ailleurs, par d'autres choses, mais on pourra en reparler. Alors, je vous ai dit que deux tiers, ça vous savez, deux tiers de l'impact en gaz à effet de serre, par exemple, c'est lié à des consommations d'énergie fossile. Et là, vous retrouvez un graphique assez classique de voir depuis 150 ans à peu près les consommations d'énergie. Et là, évidemment, bon, vous l'avez déjà dit, mais le charbon n'est pas l'énergie du 19e siècle et a été remplacé depuis par autre chose. Pas du tout. En fait, on a une addition perpétuelle. On n'a jamais autant consommé de charbon, peut-être que 2013-2019, vous voyez, ou peut-être que cette année. 2000, ou l'année dernière, 2021. Donc, en fait, on voit qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique. Il y a toujours eu des additions énergétiques et même les énergies renouvelables sont en fait sur cette courbe en échec, puisque le premier but, en fait, de planter des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques n'est pas de permettre à l'humanité de pouvoir consommer plus d'énergie, mais à l'origine, c'est de pouvoir se substituer, en fait, aux énergies fossiles. Et quand on regarde ce graphique, on voit que, mais malheureusement, c'est un échec. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas les installer, je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, on est en échec parce qu'on n'assure aucune transition et les seuls couacs, artefacts que vous avez sur la courbe, ce n'est pas la COP21 ou des décisions volontaires, c'est par exemple un virus qui est arrivé et qui tout d'un coup, notamment au niveau des transports, a restreint la mobilité, on pourra en reparler. Après, le changement climatique, vous pouvez vous dire, certains disent, hein, oh, 1, 2 ou 3 degrés, bon, ça ne représente pas grand-chose, c'est pas très significatif, l'hiver, bon, on se chauffera un peu moins, tant mieux, bon, l'été, on aura un peu plus chaud. Mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui est neutre, quelques degrés de changement. Alors évidemment, on vous a certainement dit que l'air glaciaire, c'était 5 degrés de moins en moyenne, donc 5 degrés de plus par rapport à nous, c'est sûrement très grave, mais c'est quelque chose que la planète n'a pas connu depuis des millions d'années. Mais on peut le voir autrement, sous forme de ce qu'on pourrait appeler le déménagement climatique, c'est-à-dire, je me suis amusé un moment à reprendre le rapport Jouzel, qui est truffé de centaines de petites cartes colorées super intéressantes, avec plein de scénarios différents. J'ai essayé d'en faire un slide il y a quelques années, c'est-à-dire de simuler, en regardant les climats probables de plusieurs villes françaises, de voir à quel climat d'autres villes, climat historique, c'est-à-dire on va dire climat du milieu du XXe siècle, ces climats futurs de villes françaises correspondaient. Et là on voit, vous voyez par exemple Paris, mais en fait entre 2020-2025, c'est-à-dire vraiment quasiment maintenant, grosso modo, mais en fait à Paris, vous avez le climat toulousain. C'est un petit peu comme si on avait physiquement déménager la ville de Paris, hein, toute la région parisienne, on l'avait mis à la place de Toulouse, un déménagement qui aurait pris quelques décennies. Donc actuellement à Paris, d'ailleurs aujourd'hui il fait très doux, hein, dehors, c'est le jour du printemps, on se croirait en... Vous voyez par exemple, il faut revoir tous les dictons, hein, c'est-à-dire que, bon, vous savez, on dit en avril ne te découvre pas d'un fil. Donc ça veut dire qu'en mars on peut être en t-shirt, c'est pas grave, ok? Donc attention, il va falloir revisiter tout ça. Et donc vous voyez que la région parisienne, mais en fait elle a grosso modo actuellement le climat historique de Toulouse, c'est-à-dire le climat de Toulouse des années, on va dire, 1900-1950. Mais Toulouse, par contre, son climat a aussi changé. C'est-à-dire... Et là, vous voyez sur ce graphique que, bon, moi, je suis à Bordeaux, mais en fait, Bordeaux, pour les bâtiments, je l'ai fait pour des architectes à l'origine, il y a quelques années, ce slide, pour leur dire, ben, en fait, les bâtiments à Bordeaux, il faudrait peut-être réfléchir avec les architectes de Pise ou avec l'urbanisme de Pise. Et pourtant, vous voyez encore à Bordeaux des programmes dans lesquels terrasse au sud s'est mis en avant. Et je vous promets, à Bordeaux, je vous conseille, si vous allez à Bordeaux, de prendre plutôt une terrasse au nord. Voilà. Mais si vous allez à Pise, peut-être que la terrasse au sud, c'est moins vendeur. Et à Naples, encore moins. Et là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, la ville de Bordeaux, on va avoir le climat historique de Pise quelque part entre 2030 et 2040. Il y a deux dates à chaque fois sur ce graphique. C'est la date au plus tôt, c'est si c'est business as usual en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et la date au plus tard, c'est si vraiment on part vers les 2 degrés à corps de Paris. Donc ça veut dire, par exemple, la ville de Bordeaux aura nécessairement le climat de Pise et aura nécessairement bientôt le climat de Naples. Donc là, par contre... C'est quand même pas la même chose de vivre climatiquement à Bordeaux ou à Naples. Et donc pour Paris, il y a une incertitude qui est liée à l'incertitude, pas sur les températures, mais plutôt sur les précipitations. On ne sait pas si, encore clairement, la région parisienne, si elle part vers un climat relativement stabilisé en termes de précipitations ou qui va un peu s'assécher. Et donc, il y a une hésitation sur savoir si Paris va déménager en Espagne ou si Paris va déménager en Italie. Donc on se revoit dans 20 ans, on aura à peu près le début de la réponse. Mais en tout cas, vous voyez que
le climat de Paris sera nécessairement soit le climat madrilène, peut-être pas le climat de Rome, mais quasiment, jamais, si jamais on atteint l'accord de Paris. Vous voyez, voilà. Avec l'accord de Paris, Paris n'ira pas à Rome. Bon, bref. Alors, peut-être que l'affaire est en très bonne voie, puisqu'on parlait de l'accord de Paris. Alors, l'accord de Paris, ben, vous avez deux visions de l'accord de Paris. Alors, à gauche, c'est gagné, quoi. Des bis, des accolades, on se croirait à la Coupe du Monde, hein, ou au tournoi Destination 2022. Donc, bref. Donc, soit vous regardez la photo souvenir avec la vidéo, et là, vous dites, c'est gagné, quoi. Là, le climat, c'est bon, c'est plus que tout est enclenché. Ou alors, deuxième possibilité, vous lisez le texte. Mais calmement, c'est pas très long, une trentaine de pages. Et dans le texte, vous vous rendez compte, mais qu'il n'y a rien. Il y a deux chiffres, il y a 1,5, il y a deux à un moment. Il n'y a aucune échéance de date, aucune liste de pays, aucun pourcentage de réduction, ce qui était pourtant le contenu de l'accord de Kyoto. Et donc finalement, ben, c'est très creux, le texte. En gros, il y a des portes de sortie de partout. Donc du coup, est-ce que le texte, est-ce que ce n'est pas la victoire de la procrastination, quoi, c'est-à-dire du business as usual? Mais ça, en fait, c'est l'histoire qui le dira, hein, tout simplement. Voilà. On verra. Qui vivra, verra. Après, il n'y a pas que le climat comme conséquence des transports, il y en a plein. Mais il y en a un qui est assez prégnant dans nos villes, qui sont la pollution de l'air. Donc la pollution de l'air, c'est un peu compliqué parce qu'il y a différents gaz. Et puis, il y a même pire que des gaz en termes de complexité, ce sont les particules. Parce que autant un gaz, c'est une molécule, un oxyde d'azote, quelle que soit la manière dont vous l'avez produit, vous le respirez, bon voilà, c'est une molécule d'oxyde d'azote. Alors qu'une particule, il y a autant de particules différentes qu'il y a de particules, quoi. C'est-à-dire, alors déjà, il y a la taille, ça c'est un premier sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, plus c'est petit, plus ça peut rentrer dans l'arborescence pulmonaire. Mais après, ces toutes petites particules, ben, est-ce qu'elles embarquent, si on les regardait au microscope, est-ce qu'elles embarquent du plomb, est-ce qu'elles embarquent des métaux lourds, des choses comme ça, ça ne va pas avoir le même effet sur le cerveau, sur l'activité cardiovasculaire. Donc du coup, c'est très compliqué les particules, mais grosso modo, les particules, c'est quand même, en ordre de grandeur, en France par exemple, 40 000 morts par an. Alors 40 000 morts par an, et puis les accidents automobiles, par exemple, c'est 4 000, 3 4 000. Donc c'est 10 fois plus, oula. Sauf que quand même, les particules, alors les transports, on va dire, allez, c'est difficile à dire, mais on va dire, allez, c'est à peu près un tiers. Allez, un tiers des particules, donc 40 000 divisé par 3. On est toujours au-dessus de 4 000. Après, on va se dire, ah oui, mais ça tue plutôt les gens âgés, alors que les accidents, ça tue à peu près de manière uniforme en termes de pyramide des âges. Donc, grosso modo, 40 000 divisé par 3, puis ensuite, en année de vie perdue, vous pouvez rediviser par 2, et vous finissez quand même par constater qu'en fait, une voiture, en gros, une automobile en France, ben, ça tue plus par le pot d'échappement que par les accidents. Voilà. Alors ça, c'est un angle mort, évidemment, des politiques publiques. Sauf pour tout électrifier, on va en parler. Ensuite, vous avez les oxydes d'azote, qui sont beaucoup plus émis par les transports. Donc, les oxydes d'azote, c'est vous voyez, 7000... Ah, je peux continuer, j'ai un petit changement de batterie. Voilà, donc les oxydes d'azote sont particulièrement émis par les transports. Hein. C'est, quand je dis un tiers, les oxydes d'azote en ville, ça va plutôt être plutôt deux tiers, quelque chose comme ça, en milieu occidental, en ville occidentale, et là on est à 7000 morts par an, par exemple, hein, juste sur les oxydes d'azote. Voilà. Alors ce nombre de décès, il a très fortement augmenté depuis 20-30 ans. Il a très, très fortement augmenté dans la littérature. En fait, c'est plutôt le fait qu'il ait été documenté. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup plus de morts, il y en avait sûrement autant il y a 30 ans, sauf qu'on n'avait pas encore fait la relation statistique entre la pollution et le nombre de décès. Voilà. Donc en 30 ans, on a vraiment multiplié la connaissance du nombre de décès. Après, vous avez l'ozone, et puis après, il y a plein d'autres cochonneries pour en reparler. Alors, la pollution urbaine, ça ne date pas d'hier. Et là, je vous montre quelques images assez caractéristiques. Là, à gauche, le bus que vous voyez, enfin, oui, c'est un bus à étages, je ne sais pas si vous arrivez à le deviner, c'est une photo qui date de 1952, donc le fameux smog de Londres qui avait tué 4000 personnes sur le coup, mais en fait 10 000 personnes en quelques jours. 10 000 personnes dans Londres, c'est quand même beaucoup. À l'époque, c'était surtout le charbon qui était particulièrement soufré, avec aussi le chauffage, c'était en plein hiver. Le chauffage, la façon de cuisiner, il n'y avait pas du tout. Le transport, c'était un élément. Mais ce qui était étonnant sur la photo, si vous la regardez à la loupe, c'est la publicité, par exemple, qui est sur cette photo. Puisque là, vous avez une publicité, en regardant de près, d'Air France, qui vous propose d'aller à Nice en avion. Donc en fait, comme pour vous extirper en fait, de cette pollution, quitte à, au passage, polluer un peu plus.
en décollant. À droite, vous avez la pollution aux États-Unis, qui n'est pas le même smog, hein. Le smog irritant, donc c'est plus de l'ozone avec le rayonnement solaire, les oxydes de carbone et les imbrûlés qui font de l'ozone et un brouillard jaunâtre qu'on retrouvait beaucoup en Californie, mais aussi à New York. Et là, vous avez aussi une image des années 50. C'est pas c'est du brouillard, c'est de la pollution, hein, cette photo. Et puis, plus récemment, en Chine, par exemple, vous avez des villes polluées, tout comme presque celle-là, mais c'est plus les particules. Donc, bon, après, on peut se poser la question, est-ce qu'on a délocalisé la pollution, puisque Londres est quand même plus polluée comme ça, New York. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est de l'histoire ancienne, la pollution des villes, avec une part des transports qui est très importante, particulièrement sur les smogs américains, où à Los Angeles, par exemple, dans les années 50, les épisodes de smog, c'était quand même un jour sur deux, un jour sur deux de l'année. Alors, je vais vous parler un petit peu d'histoire, parce que dans les angles morts, on va dire, du message sur les transports, particulièrement qu'on peut donner aux étudiants, moi je trouve qu'il manque beaucoup, c'est l'histoire des techniques, clairement. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de géopolitique, à Sciences Po, c'est normal, même genre, au lycée, vous avez eu des cours de géopolitique. Vous savez qu'il y a eu des rois, des guerres, tout ça, c'est bien documenté, bien appris par les lycéens, encore plus par les étudiants s'ils font Sciences Po. Et personnellement, quand je fais mes études d'ingénieur, finalement, la culture historique que j'avais des techniques, c'était peut-être de savoir que la première ampoule électrique était à telle date, que la jamais contente avait battu les 100 km/h vers 1900, vous voyez. Quelques records battus, donc forcément du bonheur, un peu de liberté, et puis c'est tout, des records battus pour le progrès de l'espèce humaine, quoi, grosso modo. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire des techniques, c'est que voilà, il n'y a que du positif, et d'ailleurs, ce n'est pas très documenté, quelques éléments positifs, des découvertes, des inventions, et puis ça s'arrête là, grosso modo. C'est-à-dire le mot pollution, embouteillage, ça n'apparaît pas. Donc là, du coup, je vais vous faire quelques slides, mais vraiment rapides, hein, pour vous parler quand même quelques éléments de l'histoire des transports. Donc ça, c'est un slide sur l'histoire des chemins de fer, un seul slide sur les chemins de fer. Donc, on va juste aborder quelques sujets. Donc là, par exemple, le premier train, grosso modo, de passagers, l'un des premiers très connus, la fusée, hein, donc ça allait super vite, hein, vitesse de pointe 50 km/h, donc entre Manchester et Liverpool en 1829. Alors, ensuite, vous avez la fièvre du rail. Il y a plusieurs fièvres du rail au 19e siècle. Retenez quand même qu'en termes de pollution des transports, vous voyez, le 19e siècle, bien, en fait, la fabrication des rails était la plus forte origine de la pollution des transports motorisés au 19e. C'est-à-dire, même si la fumée, vous voyez qu'elle, la cheminée de la locomotive de Stephenson, elle fume beaucoup. Les gens qui sont en troisième classe, je ne sais pas si vous voyez les deux premiers wagons, là, c'est quasiment un wagon à bestiaux. Donc là, ils se prennent des escarbilles. Hein. Il y a des textes qui vous disent que les gens, ils ouvraient les parapluies pour se protéger des flammèches. Donc les troisième classe, c'est du bétail. Ensuite, vous avez des gens en deuxième classe qui sont quand même dans un environnement fermé. Et puis, le dernier wagon, c'est la première classe, où là, ils sont, si vous regardez de près, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus espacés sur des bancs. Donc, vous voyez la pollution, évidemment, les gens sont très pollués. Voilà. Mais sur cette photo, ce qui pollue le plus, en fait, c'est la fabrication des rails. Et donc, les gens les plus pollués, ce n'est pas ceux qui prennent le train, en fait, hein. C'est ceux qui travaillent dans l'industrie, à la fois l'extraction du charbon et puis du minerai de fer et les installations sidérurgiques. Donc, c'est la production de fer et d'acier, la fabrication des rails, c'est elle qui monopolise souvent, certaines années du 19e siècle, le plus gros de la production mondiale de fer et d'acier, c'est juste fabriquer des rails. Hein. Il y a des années comme ça, assez extraordinaires. Mais il y a eu des fièvres. Donc, en fait, c'est un peu par à-coups aussi. Voilà. Ensuite, autre phénomène sur les trains, c'est que les trains de banlieue, ils étalent la ville. Alors, c'est ce qu'on voit très facilement aux États-Unis, mais en fait, dans l'ensemble du monde occidental, où le train de banlieue, par définition, le train, il crée la banlieue, c'est-à-dire qu'il permet finalement d'exfiltrer quotidiennement des gens loin de leur travail. Okay? Donc, c'est la définition du train de banlieue. Et il crée une espèce d'étalement urbain dont on reparlera ensuite avec l'automobile. Le train de banlieue jouant un rôle un peu de cheval de Troie de l'automobile dans un rôle d'étalement urbain. Après, vous avez les petites lignes qui disparaissent. Effectivement, si vous regardez les réseaux routiers, même de la France ou des États-Unis au fin 19e, et puis vous regardez les réseaux d'aujourd'hui, vous remarquez qu'il manque plein de lignes, en fait. Hein. On avait des paysages qui étaient innervés, en fait, de voies de chemin de fer qui ont beaucoup été démontées. Donc les lignes ont disparu. Et puis après, au 20e siècle, vers les années 60-70, est apparue la grande vitesse qui fascinait beaucoup, avec des projets qui sont sortis, d'autres non. De grande vitesse, on va pouvoir en reparler. Après, sur les mers, la conquête des océans. Alors, sur les mers, vous avez un phénomène. Autant les trains, ça va être vraiment le réseau, hein, qui va beaucoup se développer. Dans ce qui est marquant sur les océans, c'est la taille des navires.
Par exemple, donc le Léviathan, hein, qui est un monstre marin, Jules Verne, par exemple, dans Paris au XXe siècle, décrit bien que lui, le futur qu'il voit, donc il écrit en 1863, il se place 100 ans plus tard, et il se dit, dans 100 ans, les navires d'aujourd'hui, donc les navires de 1860, ça va être les chaloupes, ça va être les chaloupes des bateaux de dans 100 ans. Okay? Il s'est pas du tout trompé. Donc en fait, on a vraiment un grossissement des navires, hein, quels qu'ils soient, pour transporter des passagers ou des marchandises. Alors donc le fret maritime, il explose complètement, avec une espèce de course au gigantisme qui touche à la fois les véhicules, donc les navires, mais aussi leurs ports. Donc là, vous avez des images. Alors, bon, ça, c'est l'Olympique et le Titanic à gauche. Et à droite, par exemple, le port de conteneurs de Singapour. Là, il faut sortir la loupe, mais c'est extraordinairement grand. Et après, dans l'histoire des navires aussi, vous voyez régulièrement apparaître des raccourcis. Vous vous dites, tiens, un raccourci, ça permet, tiens, de gagner du temps sur un trajet. Et en fait, l'histoire montre que les raccourcis, ils ont au contraire augmenté, en fait, les trajets. C'est-à-dire que le raccourci, ça a dynamisé le commerce et du coup, eu pour conséquence une multiplication des trajets. Donc, c'est des choses dont on va pouvoir reparler aussi, des espèces d'effets rebonds. On reparlera. Et donc là, du coup, là, la mode risque d'être nouveau raccourci, deux raccourcis en devenir, le passage du nord-ouest et le passage du nord-est. Pour votre culture générale, le passage du nord-ouest, il a déjà été ouvert. De mémoire, ça doit être en 1816. Ça a duré une année. C'était après l'explosion du Tambora, où en fait, il y a eu un tellement changement climatique lié à ce volcan indonésien, si je ne me trompe pas, qui fait qu'il y a eu globalement un rafraîchissement de l'atmosphère, mais localement des changements de débit de cours d'eau, qui fait que les Inuits ont remarqué qu'on pouvait passer par le nord-ouest. Donc, il y a en fait, en 1816, il y a un bateau français ou européen qui est parti pour aller voir ce nouveau passage et il s'est fait prendre dans les glaces parce que ça n'a duré que 2 ans, ça a été une horreur. Donc le passage du Nord-Ouest, il a été ouvert une année, on va dire ça comme ça, vers 1816-1817. Mais par contre, on s'attend à ce qu'il s'ouvre et on imagine qu'on va l'utiliser pour gagner du temps, entre guillemets. Après, l'automobile. Alors l'automobile, telle que vous la connaissez par le vocable automobile, ça date de la fin du 19e, le vocable. Mais en fait, l'automobile elle-même, c'est-à-dire un véhicule à moteur qui permet de transporter des personnes, ça existe depuis les années 20, 1820 en Angleterre. Donc dans les années 20, l'Angleterre, c'est la révolution industrielle, c'est le début, et donc on commence à voir apparaître des diligences, et en fait c'est l'équivalent de minibus en fait, hein, qui font quelques dizaines de kilomètres de trajet avec des tickets payants et qui concurrencent les diligences dans les années 20. Et donc vous avez le secteur des diligences et le secteur aussi naissant des chemins de fer qui voient arriver ce nouveau concurrent. Et qui vont profiter du premier accident en 1834 à Glasgow pour stigmatiser et dire c'est hyper dangereux ce truc, il faut le réglementer. Et donc à partir de 1835, vous avez les péages de traversée des villes qui deviennent très chers pour ce genre de véhicules parce qu'ils sont plus lourds que les essieux appuient plus, sont plus lourds que les diligences et que les sabots des chevaux. Donc ils vont être bien plus taxés à la traversée des péages sous la pression des diligences hein, qui vont dire. C'est eux qui abîment les routes. Or, les routes étaient payées par les communes traversées par ces engins. Donc, du coup, ils vont avoir des péages traversés des communes beaucoup plus chers, une dizaine de fois plus chers que les diligences normales. Et puis après, il y a une réglementation de 1835 qui va obliger qu'il y ait trois personnes qui s'occupent, un qui dirige, un qui s'occupe de la chaudière, et un autre qui est à cheval, a priori, et qui est carrément devant pour permettre facilement le passage. Alors, vous imaginez le modèle économique, en fait. Qui passe tout d'un coup, qui est utilisé par une seule personne, comme vous le voyez là, celui qui est devant. Et puis tout d'un coup, il faut trois personnes pour opérer un engin qui en transporte 15 ou 20. Donc en fait, ça va complètement casser le modèle économique. Et donc ça ne va durer que 10 ans, cette affaire de diligence avec des moteurs à vapeur. 1865, nouvelle couche, celui qui était à cheval devant, il faudra qu'il soit à pied et qu'il tienne un drapeau rouge en courant. Vous imaginez, voilà. Et toutes ces, avec des limitations de vitesse en plus, et tout ça ne sera levé qu'à la fin du 19e siècle en Angleterre. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que le progrès technique était à l'origine en Angleterre, hein, sur la mécanisation, mais en fait l'automobile n'est pas anglaise. Elle ne va pas apparaître en Angleterre à cause de ces lois qui dataient déjà de plusieurs décennies. Il fait que les artisans qui travaillaient sur la mécanique des trucs roulants, en gros, ils se sont occupés des chemins de fer, ils se sont occupés d'autres choses que de l'automobile. Et quand l'Angleterre s'est rendue compte, oh là là, il y a un marché qui naît, on va enlever cette réglementation drastique, ben, c'est trop tard. Elle était née ailleurs. Elle n'est pas née non plus aux États-Unis, d'ailleurs, l'automobile. Vous voyez, elle est née en France parce que, en fait, aux États-Unis, les villes grandissaient très vite. Les villes américaines, l'urbanisme américain, c'est
une démographie qui décuple tous les 50 ans. Vous imaginez les villes qui décuplent tous les 50 ans. Ça veut dire que ça grandit très, très vite. Et à ce moment-là, les routes, pour les aménager pour pas cher rapidement, on met des rails et on fait fonctionner des trains, des petits trains ou des tramways. Donc du coup, par contre, à Paris, vous avez énormément de chevaux. Aux États-Unis, pas tant que ça, assez peu dans les villes, du coup, puisqu'il y a surtout des voies ferrées, alors qu'à Paris, il y a secteurs pavés qui sont de très bonne qualité, historiques. Et à Paris, il y a 100 000 chevaux à la fin du 19e. Donc c'est une plaie dans Paris qui fait qu'il va y avoir un marché pour espérer sortir le cheval et le remplacer par le cheval vapeur. Donc c'est pour ça que l'automobile est née en France, en fait. C'est étonnant, hein? Elle aurait dû naître en Angleterre, elle aurait dû naître aux États-Unis. Ensuite, la France est le premier constructeur mondial fin 19e, mais très vite, les États-Unis se rendent compte, en important des automobiles françaises et aussi un peu allemandes, que c'est très intéressant économiquement. Et à ce moment-là, ils vont se mettre à se lancer, et vers 1905, ils deviennent le premier constructeur mondial. Ford en tête. En 1920, sachez que donc Ford, vous savez, la Ford T, surtout le modèle T, mis à la chaîne en 1913. En 1920, dans le monde, une voiture sur deux qui roule est une Ford T. Okay, en 1920, une sur deux. Ford, il a trois quarts du marché à l'époque. Et General Motors, qui n'a que des petits bouts de pourcents, en fait, n'arrive pas à concurrencer Ford sur le domaine de la technique et du prix de la Ford T qui n'arrête pas de baisser. Et donc, dans les années 20, en fait, General Motors va prendre une stratégie différente de Ford. Ford se refusait à faire du crédit parce qu'il était très puritain. Il considérait que si ses clients s'endettaient, c'était pas bien, en fait. En gros, si vous n'aviez pas tout à fait l'argent pour acheter une Ford T, vous pouviez leur donner régulièrement de l'argent. Vous n'avez pas votre Ford T. Et dès que vous atteigniez l'ordre de grandeur, admettons 80%, à ce moment-là, on vous l'a donné parce que vous aviez quand même prouvé que vous étiez capable de sortir régulièrement de l'argent. Et à ce moment-là, vous l'a donné, vous finissiez par payer les 20 derniers pourcents. Tandis que GM a proposé carrément le crédit tel que vous le connaissez aujourd'hui et du coup a pris des parts de marché juste en proposant le crédit et aussi en faisant de la publicité sur le style. C'est-à-dire de dire, voilà, l'homme à la mode, l'homme à la page, il se doit d'avoir ce style de voiture. Et donc, en fait, il a ringardisé complètement la Ford T uniquement par la forme et l'habillage des véhicules. Donc avec le crédit et la publicité basée sur le style, ben en fait, en quelques années, ben GM a détrôné Ford, juste en quelques années, dans les années 20. Vous voyez, c'est énorme le changement. Et après, sinon, évidemment, une hégémonie mondiale, hein, c'est-à-dire que à l'échelle d'une vie, par exemple, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez 70 millions de voitures dans le monde, aujourd'hui c'est 1 milliard 100 millions, vous voyez. Donc une croissance très très forte du parc. À la faveur, entre autres, bon, je ne peux pas tout vous citer, mais des grands travaux autoroutiers, par exemple. Les travaux autoroutiers, vous pourriez penser, ah ouais, il y a des trajets à faire, il y a beaucoup de voitures, on va faire des autoroutes. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les trajets autoroutiers, les autoroutes étaient toutes militaires. C'est-à-dire, d'abord, un petit peu en Italie, puis après en Allemagne, Hitler qui a construit des autoroutes pour pouvoir faire traverser son armée de tout son pays facilement. Okay. Donc on a construit des autoroutes, pas du tout pour faire circuler beaucoup d'automobiles, mais une fois qu'il y a les autoroutes, évidemment, c'est très facile de les utiliser. Et pareil aux États-Unis ensuite, les 60 000 km, 70 000 km d'autoroutes lancées à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale sur l'exemple allemand, c'était dans le but de pouvoir éventuellement transférer à la fois des véhicules militaires, mais aussi, en cas de conflit nucléaire, de pouvoir déplacer facilement des industries dans le pays. Okay. Donc voilà, donc évidemment, quand vous mettez des autoroutes, ensuite, c'est tentant d'aller les utiliser avec des automobiles, mais voilà, sachez que les autoroutes n'ont pas été construites au départ pour développer l'automobile à marche forcée. Après, l'urbanisme s'est adapté à l'automobile, hein. Je ne citerai pas Pompidou, Paris doit s'adapter, Paris a une urbanisme, est un modèle dépassé, il faut l'adapter à l'automobile. Bon, Pompidou qui était porschiste, et donc... l'urbanisme s'est adapté à l'automobile. Alors, ça, vous l'avez bien vu, particulièrement aux États-Unis. Mais, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Bon. Et alors, un autre aspect. Oui, alors, ce que je voulais vous dire, c'était pas autant quand même que Le Corbusier l'aurait rêvé. Puisque Le Corbusier, connu pour ses bâtiments, mais était aussi un urbaniste. Il avait proposé dans les années 20 le plan Voisin. Voisin, c'était un constructeur automobile de l'époque qui le finançait. Il proposait de raser le centre de Paris. En fait, les bâtiments haussmanniens, c'était obsolète. Il fallait faire des très, très grandes avenues et puis des grands bâtiments en béton, des quartiers de logement, des quartiers d'habitation, des quartiers de travail, quartiers de loisirs et puis des logements, des transports entre tout ça. Bon, heureusement, on n'a pas appliqué Le Corbusier à Paris. Voilà.
D'autres, je dirais, oui, bon, ailleurs, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui peuvent ressembler, mais bon. Alors, donc, et puis la puissance et le gabarit. C'est-à-dire, en fait, les véhicules sont devenus tout au long du XXe siècle, à l'exception de vraiment quelques années juste après le choc pétrolier, n'ont pas arrêté de croître en puissance et en gabarit. Okay? Là, vous avez par exemple un tableau sous les yeux, ça vous donne des petits ordres de grandeur. La Ford T, qui avait une grosse cylindrée pour l'époque, parce qu'elle n'avait pas de boîte de vitesse, donc il fallait un moteur assez souple, 3 litres de cylindrée, la Ford T à peu près. Mais après, vous voyez, regardez une 4L, combien ça pèse, vous voyez, 600, 700 kilos. Une Cadillac Eldorado aux États-Unis, 2 tonnes 3, waouh. Et puis aujourd'hui, un pick-up assez vendu, très vendu, 2 tonnes à entre 2 et 3 tonnes à vide. Okay? Et puis des centaines de chevaux. Voilà. Donc en fait, on a globalement une très forte augmentation des gabarits et des puissances dont on va pouvoir reparler. Après, l'aviation, un slide sur l'histoire de l'aviation, donc je passe du coq à l'âne. Alors, l'aviation, aujourd'hui, c'est d'abord du loisir. Hein. Sachez qu'aujourd'hui, on va en reparler, mais aujourd'hui, c'est d'abord du loisir. En termes de trafic passager, l'aviation, c'est d'abord le loisir avant le business. Et dans le loisir, il y a le tourisme, la famille, les amis, les pèlerinages. Voilà. Mais c'est pas du tout, ça n'a pas du tout été le cas dans l'histoire de l'aviation, hein, la situation actuelle. En gros, il y a plusieurs phases dans l'histoire de l'aviation. La première, c'est avant la Première Guerre mondiale. Là, l'aviation, c'est un sport. Okay? Les aviateurs, c'est des sportifs. Juste avant 1914, ils s'affrontent, qui ont des concours, ils arrivent un peu à gagner de l'argent. Mais en gros, c'est des bricoleurs. Il n'y a quasiment pas de marché de l'avion avant 1914. Louis Blériot, centralien illustre, qui traverse la Manche, ric-rac le premier, le 25 juillet 1909, parce que LATAM était tombée dans l'eau, quasiment arrivée au bout quelques jours avant, il avait vite commandé un nouvel avion, mais il considérait la météo était mauvaise ce matin-là, donc il n'a pas voulu se lever. Heureusement, Blériot s'est levé à 4 h du matin et a pu traverser en profitant d'une fenêtre météo. Donc l'histoire a retenu Blériot, mais c'est passé à très peu près, que ce soit pas lui. Mais bon, voilà, il traverse la Manche et là, c'est vraiment vu comme étant voilà, un saut dans l'histoire. L'Angleterre n'est plus une île. Il a traversé la Manche en 1909. Mais bon, c'est une époque où, voilà, c'est des sportifs, hein, des bricoleurs sportifs, les aviateurs. Et puis là, la guerre de 14, au déclenchement de la guerre, on se rend compte, oula, mais un avion, en fait, ça permet de survoler les lignes ennemies. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc du coup, dès le début du conflit, on se rend compte que, oulala, là, il y a une industrie à développer. Donc on a tout d'un coup un afflux de commandes immédiat au démarrage de la guerre de 14. Donc là, automatiquement, beaucoup de progrès techniques, parce que beaucoup d'entrepreneurs vont se mettre sur le sujet. Donc beaucoup de gains de puissance, de vitesse, de cadence. Donc vraiment, on commence à vraiment fabriquer les avions en série. Après, la guerre s'arrête. Donc là, on pourrait se dire, bah tiens, l'aviation va redevenir un sport. Oui, mais pas du tout, parce que les démocraties victorieuses se disent, ouh là là, le progrès technique qu'il y a eu pendant 4-5 ans, là, il faut qu'on maintienne ça. Parce que aussi en 19, la fin de la guerre, elle est actée, si vous voulez, nous on le sait dans le livre d'histoire, mais bon, elle est actée, mais on ne sait pas si ça ne va pas reprendre bientôt. Donc du coup, les pays victorieux veulent maintenir le progrès technique pour pouvoir maintenir une aviation en première ligne de leur développement. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il va falloir maintenir les crédits et donc justifier auprès du contribuable de maintenir ces crédits-là. Et le contribuable, du coup, on va lui montrer qu'il peut y avoir des applications civiles, parce qu'on est en temps de paix. Donc on ne va pas laisser toutes ces dépenses sans justification. Et c'est là qu'on va développer quelque part à marche forcée le trafic de passagers, le courrier, la photographie aérienne et la découverte des contrées lointaines, que certains explorateurs vont aller voir pour ramener des articles, des photos. Et donc ça va permettre de dire aux gens, regardez, l'avion, ça ne sert pas qu'à des sportifs ou à faire la guerre. Ça a un autre intérêt, mais c'est très sponsorisé. Tout ça est très payé par l'argent public. En France, le billet d'avion dans les années 20, il est aux trois quarts financé par l'argent public. Juste le billet, ne serait-ce que le billet. Je ne parle pas des infrastructures. Lindbergh traverse l'Atlantique en 27, en solitaire, le premier. Et là, ça ouvre la voie à l'aviation internationale de passagers. Voilà. Donc là, on a aviation subventionnée qui reste encore balbutiante, réservée à une élite dans les années 20. Et puis là, rebelote comme en 14, en 34. Pourquoi 34? Parce que là, c'est Hitler qui rompt en fait le traité de Versailles en relançant des commandes de la Luftwaffe pour s'équiper en avion. Donc en fait, le début de la Deuxième Guerre mondiale, vu de l'aviation, c'est en 34. Et donc jusqu'à 45. Et là, rebelote, c'est-à-dire donc de nouveau beaucoup de progrès techniques, beaucoup de cadences, etc. On sort en 45. Et là, on se dit, oh là là, il va falloir arrêter de se faire la guerre tous les 30 ans.
Et donc, il y a des mesures qui sont prises. Par exemple, en décembre 1944, il est unanimement décidé de ne pas taxer, c'est la Convention de Chicago, de ne plus taxer le carburant d'aviation qui atterrit avec l'avion. C'est-à-dire que quand un avion atterrit, évidemment, son réservoir, il n'est pas vide. Or, c'est du carburant qui peut être taxé par la douane comme étant du carburant qui entre dans le pays. Donc, en 1944, il est décidé que tous les pays sont unanimes pour dire, OK, on ne taxe pas l'essence qui arrive dans le réservoir de l'avion lorsqu'il atterrit dans un pays tiers. Et ensuite, il y a des accords bilatéraux entre les pays aussi, qui se disent, bon, maintenant, quand je remplis mon avion, ce qui représente plus d'essence que ce qui arrive à l'arrivée, tu ne me taxes pas en Angleterre, et puis moi, tes avions anglais, je ne te les taxerai pas en France. Donc, en fait, il y a des accords bilatéraux. Et en 1951, il y a carrément un accord international pour dire, bon, mais toute l'essence, que ce soit celle qui arrive au départ, à l'arrivée, on ne taxe plus rien. Donc ça, c'est une résolution de l'OACI qui a été créée en 1944. Résolution de 1951, là, le carburant aviation est entièrement détaxé. Et ça existe encore aujourd'hui, on va en parler. Donc voilà, votre essence, elle est à 2 euros le litre à la station-service. Ce n'est pas du tout le cas du kérosène sur les aéroports. Dans les années 60, un gros changement dans l'histoire de l'aviation, c'est le passage aux avions à réaction, à partir de la fin des années 50. Alors c'est un gros changement parce que la puissance augmente fortement, donc la consommation aussi. C'est-à-dire que la consommation double dans les années 60 pour un même trajet. C'est-à-dire si vous faites un trajet Paris-Rome en avion, par exemple, eh bien, dans les années 50, par rapport aux années 60, en passant d'un DC6 à un DC7, par exemple, à ce moment-là, vous avez deux fois plus de conso au kilomètre par passager. Donc on double la conso et on vole plus haut parce qu'on est plus puissant, donc dans un air moins dense. Et on vole plus haut et là, on voit apparaître des traînées de condensation dans le ciel à partir des années 60, puisqu'on commence à voler vers 10 000 mètres, 9 000, 10 000 mètres. Et on apprendra plus tard que ces traînées de condensation, elles ont un effet sur le climat. Donc en fait, là, les trajets, quand on passe aux avions à réaction, il y a un impact environnemental assez fort, à trajet égal. Après le Concorde, vous voyez l'histoire de la vitesse aussi, la grande vitesse aussi côté aviation. D'abord l'avion à réaction, puis après carrément le supersonique. Après, à partir de 97, le succès des low cost. Et puis après, le sujet du Covid avec le trafic en chute libre, on va en reparler. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire, si vous voulez, en un slide chacun, des différents moyens de transport. Après, dans l'histoire aussi des transports en général, vous avez certains polluants qui sont arrivés de manière complètement artificielle. Par exemple, le plomb. Dans les années 20, où un ingénieur de General Motors se rend compte, donc Thomas Midgley, qu'en rajoutant le plomb sous une certaine forme dans l'essence, on peut augmenter son indice d'octane, donc dans des moteurs adaptés qui compriment plus le mélange air-essence, obtenir davantage de puissance pour un coût dérisoire, enfin, on va dire très faible. Et donc faire plein de bénéfices parce que du coup, on peut vendre l'essence plusieurs pourcents plus cher puisqu'elle permet de gagner plusieurs pourcents de puissance. Et donc là, à l'époque, les médecins, ils crient au scandale dans les années 20, à dire ah non, non, surtout ne mettons pas du plomb dans l'essence. Pourquoi? Parce que dans les années 10, c'est le scandale du saturnisme. Donc, c'est le saturnisme, on se rend compte que les enfants notamment, mais les gens qui boivent de l'eau avec du plomb, soit liés aux tuyaux qui sont mal faits, ou alors la peinture blanche, qui est à base de céruse, qui contient du plomb, et donc les petits-enfants éventuellement qui mâchouillent des trucs blancs, on a le scandale du saturnisme, lié au plomb qu'on ingère, on va dire qu'on ingère par la bouche. Et là, un industriel propose de répandre de l'air dans, enfin, du plomb dans l'air, sauf que c'est beaucoup moins évidemment concentré. Donc on n'arrive pas à prouver que c'est dangereux, même si les médecins se disent non, non, principe de précaution, il ne faut surtout pas faire ça. Donc il y a des villes qui commencent à interdire l'essence au plomb, mais GM menace de procès, et en fait, ils n'ont aucune bille pour justifier que c'est dangereux à ces très faibles concentrations. Donc on finit par laisser faire complètement, et l'essence au plomb envahit le monde. Et quelques décennies plus tard, ben en fait, les médecins des années 20, ils avaient parfaitement raison, on constate qu'il y a des millions de morts, mais ce n'est documenté qu'au bout de 30-40 ans. Et là, on se dit, mince, il faut enlever l'essence au plomb. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? On finira par le faire quand on va mettre des pots catalytiques, parce qu'ils fonctionnaient moins bien avec de l'essence plombée. Donc en gros, on a tué des millions de gens pendant 50 ans là-dessus, ce qu'avaient envisagé les médecins. Après, la pollution de l'air par les transports, qu'est-ce que c'est? Donc finalement, vous avez les craintes sanitaires à la fin du 19e. Alors, faut voir, donc le plomb, je vous l'ai dit, les craintes sanitaires du fin 19e, les transports, les chevaux, ça polluait beaucoup quand même. Hein. Okay, 100 000 chevaux dans Paris, c'est pas neutre, quoi. Il y a du crottin régulièrement, il y a des animaux morts qui sont pas bien évacués. Donc là, la voiture, elle fume. Les automobiles, là, elles fument. Hein. Elles pétaradent, ça fait beaucoup de bruit, ça effraie les chevaux. Bon, des mesures vont être prises pour dire non, non, c'est la faute au cheval. Maintenant, il faut dompter les chevaux pour qu'ils ne soient pas effrayés par les automobiles. Ça, c'est à partir de 1900. Donc on organise en fait la chaussée pour l'automobile.
exclure les piétons sur les côtés et les chevaux qui effraient, qui se mettent à s'emballer. C'est la faute du propriétaire du cheval. Ça, c'est 1900. Et donc, mais ces voitures, elles fument. Mais on se dit, ça part dans l'air, ça va se diluer. La crainte, c'est le sol, c'est les poussières, en fait. Les automobiles vont un petit peu plus vite que les chevaux et soulèvent davantage des panaches de poussière. Et ça, on se dit, ah, il y a des bactéries, non, c'est pas bien. Donc, du coup, la réponse, la pollution perçue, c'est pas les fumées, c'est plutôt la poussière. Et donc, la réponse technique, c'est de goudronner les routes. Alors que pourtant, le pot catalytique, regardez bien, il n'y a pas de faute de frappe. Le pot catalytique, il apparaît vraiment sur les voitures des années 80. J'ai bossé plusieurs années là-dessus. J'étais persuadé que le pot catalytique, ça datait des années 70. Et dans mes recherches pour écrire Hervor, ben, je suis tombé sur un pot catalytique de 1898 dans la presse. Vous voyez? Donc il y avait un chimiste français qui disait, il faut mettre de série les pots catalytiques avec du platine, du palladium. Il décrit tout le système. C'est extraordinaire. Il y a le dessin. Il a fait des protos en 1898. Et en fait, tout ça, ça tombe tellement dans l'oubli que même dans les années 40, je pense qu'il n'était même pas au courant, celui qui a déposé le brevet du pot catalytique, qu'en fait, 50 ans avant, il y avait un gars qui avait fait des protos. Ensuite, on a quand même des particules fines, avec les filtres à particules à partir des années 2000 qui commencent à être partiellement éliminés. Mais bon, les filtres, c'est plutôt les plus grosses particules qui sont filtrées. Donc les plus petites, bah, c'est les plus dangereuses. Donc le résultat est moyen. Le CO2, les mesures incitatives à partir des années 2005, bonus-malus, vous savez. Bon, après, on donne du bonus pour des véhicules qui n'ont pas de filtre à particules. Et puis, les particules, ça se repose aussi, ça se redépose sur, et ça augmente l'albédo, notamment des zones très blanches, même dans le cercle polaire, vous retrouvez des particules automobiles. Et donc, si on compte cet effet sur le changement climatique, ben, les mesures de l'époque pour le diesel, ça valait pas grand-chose. Ensuite, on a des NOx pour les oxydes d'azote. Alors, on a eu des choses qui ont été faites dans les années 50, hein, déjà. Avec sur les carburateurs, mais surtout les systèmes, c'est les NOx trap, les SCR, donc les systèmes à l'urée, avec de l'injection d'urée dans la ligne d'échappement, à partir en gros des années 2008, qui permet d'essayer de réduire, mais sous réserve que ça soit injecté régulièrement, et pas que les réservoirs soient trop petits, et pas qu'il y ait de la triche, pour que ça marche très bien sur cycle, et pas dans la vraie vie. Bon, ben ça s'appelle le Dieselgate, qui a éclaté en 2015, septembre. Et puis après, un autre sujet sur la non-représentativité des tests, c'est aussi que ces systèmes, en fait, ça marche très bien quand ils sont jeunes, mais une voiture qui a 100, 150 000, 200 000 km, tous ces systèmes très sophistiqués, ça commence à marcher moins bien, surtout quand on exporte les voitures. Et là, on se retrouve avec des véhicules qui, si vous démontez les systèmes, sont plus polluants que les mêmes véhicules qui n'avaient pas ces systèmes. Parce que lorsqu'ils ne les avaient pas, au niveau du moteur, on faisait attention à la pollution. Tandis que si vous avez un système en aval qui traite votre problème, à ce moment-là, vous pouvez faire votre réglage moteur sur autre chose pour économiser de la conso, par exemple. Polluer plus à la sortie du moteur, c'est pas grave, c'est traité par le système, sauf que si le système vous le démontez, vous vous retrouvez avec une voiture pire. Dans l'aviation, vous avez des normes qui sont beaucoup moins, enfin on va dire moins prégnantes que dans l'automobile, surtout qu'elles n'existent qu'en dessous de 3000 pieds. C'est-à-dire les normes aériennes, c'est jusqu'à donc 3000 pieds sous 1000 mètres d'altitude, donc en fait c'est des normes qui concernent le décollage en fait. Okay? Donc ensuite, vous pouvez polluer quelque part autant que vous voulez à haute altitude. D'un autre côté, sur l'aviation, en général, on démarre pleine charge, c'est-à-dire que la représentativité des tests, elle est quand même bien meilleure dans l'aviation qu'elle ne l'est dans l'automobile, où les régimes moteurs sont extrêmement variables en fonction de la façon de conduire, alors que pour faire décoller un avion, bon, on met pied au plancher, ça revient un petit peu à ça, donc c'est plus représentatif des tests. Mais cela dit, la baisse au fur et à mesure des normes de sévérisation de l'aviation baisse quand même moins vite que les baisses de l'automobile, qui, elles, se sont révélées souvent illusoires. Bon, bref, en gros. Tout le monde veut moins polluer, mais le résultat, le bilan global, c'est que la pollution des transports, elle n'a pas tendance à diminuer, grosso modo. On a quelques succès sur certains gaz, des échecs sur d'autres. Le bilan n'est pas fameux. Donc, grosso modo, à la fin, le transport, c'est à peu près un tiers des polluants urbains, avec un pourcentage supérieur pour les oxydes d'azote. Après l'urbanisme, je vous ai parlé d'urbanisme à la Le Corbusier. Je vous ai parlé des tramways aux États-Unis, hein, qui étalaient la ville. Hein, avec, voilà. Mais la ville idéale, par exemple, vue au milieu du XXe siècle, c'est par exemple l'exposition de 1939 à New York, où vous avez la présentation d'une énorme maquette qui est vraiment la maquette centrale de l'exposition de l'époque, hein, qui était une énorme sphère dans laquelle, vous voyez là, c'est une photographie ce que vous voyez, où en fait les gens étaient installés sur une couronne, une espèce d'étage très haut, et ils survolaient une ville qui était une maquette, un petit peu comme si c'était en avion. Et donc on leur présente la ville idéale du futur, enfin du futur de bientôt, hein, des années 60, quelque chose comme ça, de mémoire. Et donc c'est une ville en fait où il y a carrément c'est une ville de plusieurs dizaines de kilomètres de rayon, avec donc des villes satellites. Et les villes satellites, en fait, elles sont dédiées. C'est-à-dire, il y a des villes industrielles, des villes de logement, des villes de loisirs et des transports qui permettent d'aller de l'une à l'autre,
de manière quotidienne. Et puis, à côté, vous avez aussi l'exemple du futur qui est de dire, bientôt, en fait, on aura un hélicoptère pour faire du domicile-travail. C'est-à-dire que là, vous voyez le monsieur, il part travailler, il habite carrément au bord d'un lac, dans un endroit extrêmement bucolique, et il va tous les matins. Donc on présente ça comme le futur, hein. Mais un futur qu'on vivra, qu'on verra. Par exemple, Breguet, Louis Breguet, dans les années 30, qui a été ensuite, son entreprise a été absorbée par Dassault, mais il imaginait parfaitement pour lui que ses petits-enfants, ils verraient en fait cette espèce d'hélicoptère-avion, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait des ailes déployables, un système qui permettrait d'atterrir et décoller comme un hélicoptère, et une fois en l'air, voler aussi vite qu'un avion. Une espèce d'objet hybride. Et lui, il pense que c'est ça le futur et que ses petits-enfants, il l'écrit, hein, ses petits-enfants, ils auront cette espèce d'avion-hélicoptère sans forcément être très riche. Voilà. Donc on imagine que là, la congestion urbaine, elle va être résolue d'elle-même par la technologie, on va en reparler. Alors, quelques chiffres, hein, le parc automobile mondial, je vous ai parlé oui, d'un chiffre tout à l'heure, 70 millions. Donc là, la croissance régulière du parc mondial historique, vous voyez, c'est une croissance à peu près de 3% par an. Donc en fait, le parc mondial, ça double tous les 25 ans, c'est une exponentielle. Et puis là, je crois que ce graphique, c'est que des automobiles hors pick-up. Juste pour information, aujourd'hui, dans le monde, la deuxième voiture, on va dire, la plus vendue au monde, c'est un pick-up. Mais c'est un pick-up américain. En plus, cette voiture-là, je ne vous dis pas laquelle pour la publicité, on n'en voit pas beaucoup en France. Et heureusement, c'est un monstre. Et c'est la deuxième voiture la plus vendue au monde. Pick-up aux normes américaines. Dans le cas du trafic aérien, ben là, vous voyez que là, on est dans une croissance en fait, qui est supérieure à l'automobile. On a un trafic passager qui a une croissance historique de 5% par an. Donc, à la calculatrice, ça fait un doublement tous les 15 ans. Ça, c'est depuis facilement les années 50-60. La moyenne reste de 1 200 km par an et par terrien. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup. Il y a des énormes disparités, évidemment. Vous avez que très peu de pourcents des gens qui prennent l'avion qui consomment la moitié des kilomètres. Et puis les gens qui consomment de l'aérien, ça reste une minorité de la population mondiale. Et là, vous avez cette croissance-là, mais couac, coronavirus. Là, vous voyez 2019, 2020. Bah 2020, c'est un tiers de 2019 en termes de trafic passager. Et 2021, ça a commencé à remonter un peu. Donc là, vous voyez le choc que ça représente. Bon. À l'époque, en 2020, ça a été pire qualifié par l'industrie comme pire catastrophe de l'industrie de l'aéronautique, etc. Bon, je vous signale juste un truc quand même, c'est que 2020, c'est quand même le trafic de 1995. 1995, moi je m'en souviens, c'était pas les Amish, quoi. Okay? 1995, il y avait quand même du tourisme, voilà. Les billets, il n'y avait pas de billets low cost ou très peu, mais ou quasiment pas oui, à cette époque-là, mais on pouvait quand même prendre l'avion. Donc l'année 2020, c'est une année catastrophique, mais ce n'est pas les années 40, quoi, hein, 50, hein, c'est 1995 le trafic. Quelques repères quantitatifs, donc pour petit ordre de grandeur comme ça. Donc des voitures actuellement, il y en a 1,1 milliard qui circulent dans le monde. Des camions, 400 millions. Des deux roues motorisées, à peu près 500 millions, évident à savoir. Après des chiffres, voilà, trafic ferroviaire en termes de tonnes de fret, etc. Vous pourrez regarder ça tranquillement. 100 000 navires, tonnes kilomètres, 28 000 avions de ligne, etc. Alors, petite info dans tout ça, retenez en ordre de grandeur que le flux de production, le flux de fabrication, si vous voulez, des moyens mobiles, grosso modo, c'est à peu près le double de leur renouvellement. C'est-à-dire, grosso modo, quand vous avez deux voitures, deux automobiles qui sortent de chaîne, sont vendues, il y en a une qui sert parce qu'elle remplace une autre qui part à la casse. Et il y en a une autre qui sert à additionner, donc à augmenter le parc. Pareil pour les avions. Okay. L'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Okay. Et chaque terrien en moyenne, alors après, si on fait des moyennes, vous divisez ça par le nombre d'habitants sur Terre. Bon, vous voyez, chaque terrien en moyenne, ça fait le tour de France en voiture, en camion, un aller-retour Paris-Toulouse en train par an, pas beaucoup. Un aller-retour Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris en avion, pas beaucoup. C'est plus possible aujourd'hui. Il se fait livrer 1 tonne de marchandises de la Chine quand même, hein, donc le bateau. Mais vous voyez vous imaginez, il y a des énormes disparités là derrière, puisque cette moyenne, ça vous paraît peut-être un peu faible sur certains trajets. Alors les perspectives. Alors là, on commence à aller sur le futur, possible, probable, je ne sais pas trop. Vous jugerez dans quelques années, décennies. Donc là, le parc automobile, grosso modo, l'ordre de grandeur, avant Covid-19, c'était de se dire 1,1 milliard en 2021. On sent bien les grandes agences internationales, 2 milliards de voitures en 2050. Donc, si vous voulez, la poursuite, je vous ai dit tout à l'heure, doublement tous les 25 ans, vous voyez l'ordre de grandeur, on y est toujours, quoi. Okay?
Donc ça ne nous fait pas peur, en fait, quelque part, d'imaginer. Ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Estimation avant 2019. Alors, la prospective du trafic aérien, ça c'est intéressant parce que, vous voyez là, je vous ai fait les. Donc vous avez depuis 2000, le réel, les petits carrés bleus, donc la chute 2020, légère reprise 2021. Et là, vous avez les courbes, en fait, des grands organismes et des grands constructeurs de l'aéronautique avant 2019, qui voyaient vraiment une poursuite du doublement tous les 15 ans, quoi, grosso modo, hein, c'est-à-dire en 2019, 15 ans plus tard, deux fois plus de trafic, et voire 30 ans après, quatre fois plus de trafic, l'ordre de grandeur, hein. Donc on restait finalement, ils étaient tous à l'unisson, vous voyez, il y a très peu d'écart entre les cours, les prospectives 2019. Et puis là, viennent de sortir les nouvelles prospectives, on va dire, post une ou deux années de Covid. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la prospective, bah, ça reste le doublement du trafic aérien, sauf qu'avec un offset quand même de 10 ans plus tard. C'est-à-dire que ce qui était pensé comme étant le trafic aérien doublé pour 2040 avant le Covid, aujourd'hui, c'est pensé par les grands organismes de l'aérien comme étant juste repoussé de 10 ans à 2050. Donc il n'y a pas encore de véritable questionnement du volume. Les enseignements de l'histoire. Alors ça, si vous avez un slide à imprimer et puis à vous mettre à côté de votre table de chevet, je vous conseille celui-là. Quatre notions à essayer de retenir. L'effet rebond. Alors l'effet rebond, vous avez dû entendre parler, Jean-Marc a dû le dire, de Stanley Jevons. Donc Stanley Jevons, 1865, il écrit un bouquin, La question du charbon, parce qu'à l'époque, il y a des Anglais qui disent, des scientifiques anglais, industriels anglais, qui disent, oulala, là là, il y a un problème, c'est que le charbon en Angleterre, à l'époque, le charbon, ça ne se transportait pas d'un pays à l'autre en bateau, nos réserves anglaises de charbon, elles sont un peu limitées. Au rythme où on en consomme de plus en plus, là, avec toutes ces machines à vapeur, peut-être que dans quelques décennies, on n'en aura plus. Et là, oulala, la révolution industrielle, elle risque de s'arrêter net. Donc, gros danger dans quelques décennies. Mais il y a des messages qui étaient utilisés. Ah, mais non, mais c'est pas grave. Chaque année, on fait de tels progrès sur la machine à vapeur que le travail produit par une machine, chaque année, il y a vraiment des améliorations telles qu'on consomme de moins en moins de charbon. Donc, c'est pas grave si les réserves sont limitées. Et du coup, Jevons, il essaie de documenter ça pour dire, ah oui, c'est vrai, il y a des progrès de la machine à vapeur, il y a des quantités finies de charbon disponibles dans le pays, assez facilement. Ben, je vais essayer d'analyser tout ça. Et lui, il conclut que, ben, en fait, effectivement, il y a un progrès technique qui va très probablement se poursuivre pendant des années et des années. Donc les machines sont de plus en plus économes, mais économiquement, elles sont de plus en plus intéressantes. Et du coup, en fait, on s'en procure, l'industrie s'en procure beaucoup plus parce qu'elles deviennent économes. Et le total, c'est qu'en fait, on va consommer plus de charbon chaque année. Donc, il y a vraiment un problème. Et c'est ce qu'on a appelé le paradoxe de Jevons, de dire, c'est pas parce que unitairement les moyens sont de plus en plus économes que le total ne va pas poser un problème si jamais le nombre de ces objets plus économes se multiplie plus vite que leur façon de devenir économes. Donc, en gros, du coup, la conséquence de ça, c'est de se dire sur les véhicules, mais est-ce qu'un véhicule écologique, est-ce qu'il ne devrait pas être énergivore, en fait? Finalement, si une automobile faisait 40 litres au 100, elle coûterait tellement cher à utiliser qu'on ne l'utiliserait que pour des choses vraiment ultra nécessaires. Okay? Et pas aller au travail à 30 km. Bon, évidemment, c'est une caricature que je dis, mais c'est juste essayer de réfléchir. Voilà. Donc, ce que ça signifie, c'est que si on donnait à tout le monde des voitures à 3 litres au 100, ce n'est pas forcément une bonne réponse vue comme ça. Si ça se trouve, on va surmultiplier l'usage des voitures qui vont devenir encore moins chères. Bon. C'est à réfléchir. Disons qu'il faut avoir ça en tête et pas simplement penser bêtement. Les voitures sont plus économes, c'est super, on aura moins de consommation de carburant. Après, une grosse leçon de l'histoire, c'est la deuxième phrase. La mise à disposition massive de transports rapides et bon marché, rapide et bon marché. Le Concorde et l'hélicoptère, c'est rapide, mais ce n'est pas bon marché. Du coup, ça s'est pas franchement développé dans les masses. Rallonge, donc ce n'était pas massif. La mise à disposition massive de transports rapides et bon marché rallonge plus les distances qu'elle ne réduit la durée des trajets. Ça, c'est essentiel dans l'histoire des transports. La promesse systématique, grâce à ce transport plus rapide, vous allez gagner du temps. Mais le résultat historique, c'est quasiment systématiquement, c'est qu'on a gagné de la distance et pas du temps de trajet. Okay? Vous allez régulièrement quelque part, je vous donne un moyen deux fois plus rapide. Quelques années plus tard, je reviens. Vous n'allez pas aller au même endroit en mettant deux fois moins de temps. Vous irez soit aussi souvent deux fois plus loin, soit au même endroit deux fois plus souvent. C'est ça, en gros, la leçon de l'histoire sur les transports, s'il y en avait qu'une à retenir. Donc ça, ce n'est pas de moi, hein. Robida, elle avait déjà très bien perçu à la fin du 19e siècle, Robida, dont je vous conseille la lecture des livres d'anticipation,
H.G. Wells aussi, son livre Anticipation d'ailleurs, il avait très bien annoncé. Le métro parisien l'a expérimenté, puisque le métro parisien, les 6 premières lignes de 1900 à 1907, ont été lancées pour désengorger la ville, qui était la ville la plus embouteillée du monde, Paris, fin 19e. Okay? Donc on lance le métro parisien en voulant faire transférer les flux en sous-sol. Et 1908, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour vous dire même, qu'est-ce qui se passait à la fin du 19e? Il y avait des manifestations des commerçants de la rue de Rivoli, donc ils sont maintenant au-dessus de la ligne numéro 1, qui faisaient des manifs contre la ligne numéro 1 en disant notre commerce va s'effondrer. Le chaland qui passe devant la vitrine, vous le faites passer en sous-sol, mon commerce, il est mort. Okay? Et les commerçants de Rivoli, après, ah non, tout se passe très bien finalement, après la ligne numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? On appelle les sociologues, les ingénieurs, dire c'est un scandale. On a fait tout ce chantier, énorme en coût, le bazar dans la ville et tout ça. Et à la fin, en 1908, il y a plus d'embouteillages dans la ville qu'il n'y en avait avant le métro. Alors que pourtant, le métro est assez utilisé. Et là, l'analyse de l'époque, c'est, ah oui, c'est vrai qu'il y a un problème. Eh bien, en fait, c'est l'effet rebond. On a développé le texto, le goût du déplacement aux Parisiens et aux étrangers. Les étrangers, c'est ceux qui habitent la périphérie de Paris. Hein. Okay. On a développé le goût du déplacement. Et donc, il y a écrit, c'est une leçon pour les générations futures. Texto, dans le compte-rendu du conseil municipal vers 1909, avec tout un rapport très bien documenté, qui dit, leçon pour la génération future, ne pas croire qu'en transférant en sous-sol du trafic, on va réduire le trafic de surface, au contraire, on va le dynamiser. Donc voilà, après je vous laisse vous interroger sur le Grand Paris, les milliards d'euros à faire des RER pour transférer la Transilienne en sous-sol. Voilà. Et donc en fait, on a du coup développé, c'est-à-dire les gens qui vivaient dans les arrondissements, en y travaillant, faisant leur commerce, habitant. Bien, ils se sont mis à raisonner à l'échelle de la ville. Je vais aller accepter un travail là-bas, acheter mes étoffes là-bas, c'est un coup de métro, 20 minutes, pas de problème. Ensuite, et les gens étrangers, extérieurs à la ville, vont aller acheter des choses. Donc en fait, on a développé parce qu'on s'est rendu compte que c'était une croissance économique. Mais ce n'était pas le but premier du métro. C'est pour ça après qu'on a construit d'autres lignes. Les transports, ils promettent en masse une liberté qu'ils éloignent. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit, grâce à ce moyen, vous allez être plus libre d'aller plus facilement là-bas. Ça peut être du domicile-travail, ça peut être des vacances. Sauf que, comme c'est proposé à la masse, et pas qu'à vous, enfin évidemment, c'est proposé juste pour vous. Et en fait, c'est aussi juste pour les autres, et juste pour tout le monde. L'automobile, c'est un objet de masse. Et donc, quand vous revenez quelques décennies après, vous vous rendez compte, mince, la nature, par exemple, que le petit jardin qu'on avait, mince, on s'est fait envahir de voisins, mon petit jardin, c'est plus l'aspect bucolique du début. Bon, ben, je vais, grâce à ça, ah, mais il y a de nouveaux moyens plus rapides. Je vais aller m'installer plus loin, les jardins sont plus grands là-bas. Ou alors, en vacances, je vais aller là-bas. Et puis une fois que vous y êtes, quelques années plus tard, oh là, ce monde de touristes. Ah non, il faut aller plus loin pour se dépayser. Donc en fait, on a les transports, vous voyez, ils promettent la liberté en masse, et en fait, en la promettant, et en fait, ils l'éloignent. La distance du dépaysement augmente au fur et à mesure des décennies. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'on plafonne l'accès aux transports? On va voir. Donc le bilan, en fait, c'est quoi? C'est que les transports, ben, en fait, ils ont grosso modo métamorphosé le citadin qui est devenu un banlieusard. Le voyageur, c'est devenu un touriste, et le citoyen, un consommateur. Que faire en tant qu'ingénieur? Pas facile. Les carburants et l'environnement, un petit slide pour vous rappeler que les agrocarburants, ce n'est pas forcément la panacée. Il y a quand même une concurrence alimentaire, il y a des émissions à gaz à effet de serre, à la fois de la déforestation, même de la culture. Donc, ce n'est pas si rose que ça. Donc, attention, je dis agrocarburants, évidemment, on appelle biocarburants, ils ne sont absolument pas bio, hein. Ensuite, les désirs et la grogne sociale, c'est-à-dire que, en fait, le désir, c'est j'aimerais me déplacer plus facilement pour moins cher. Et là, vous avez deux images, alors je vous laisse les regarder de près. Celle de gauche, c'est un extrait de Robida, le 20e, c'est le 20e siècle. Donc, ces deux livres, 1880 et quelques, 90 et quelques, le 20e siècle, La vie électrique. Je vous conseille presque le deuxième directement. Là, vous avez une image, en fait, c'est le tube. C'est-à-dire que lui, en fait, on est fin 19e. Il n'y a pas du tout encore les expériences de Clément Ader. Il y a quand même les montgolfières, il imagine des dirigeables, mais il pense que le transport longue distance rapide, ça va être du chemin de fer, des tubes. En fait, l'hyperloop, ça date de Robida. Hein. Okay? Là, c'est l'hyperloop hein, qu'il décrit dans ses bouquins. C'est-à-dire des transports hyper rapides, sous vide, pour relier sur plusieurs centaines de kilomètres les grandes villes. Et là, vous voyez, les gens se pressent. Et de près, ils se pressent parce qu'ils font l'aller-retour pour aller au resto. Ils font du, je dirais, Paris-Madrid presque pour aller au resto, quoi, et revenir. Voyez? Donc en fait, lui, il voit très bien que les transports dans le futur, il se place, il écrit en 1880, il se place dans les années 50.
Il fait un saut de 70 ans dans son esprit. Et donc, il pense que 70 ans plus tard, les chemins de fer, ils vont être ratatinés par l'hyperloop. Enfin, je dis hyperloop, hein, il ne l'appelle pas comme ça, il appelle ça les tubes. Et donc, il pense que les chemins de fer vont être détrônés complètement par les tubes en termes de transport de masse rapide, longue distance, et que du coup, les gens vont consommer ça comme, comme du jetable. C'est-à-dire qu'en fait, en allant très vite quelque part, mais du coup, ils vont juste y aller pour revenir, voilà, pas profiter du tout des lieux, comme on pourrait l'imaginer si vous mettez du temps pour y aller. Et puis à droite, vous avez une image, pendant les, un dessin pendant les Gilets jaunes, là, de Léandre. Et là, vous voyez les trois glorieuses, là, de 1830, avec la liberté guidant le peuple qui demande du gazole, quoi. Donc là, la question, c'est les carburants. Et là, c'est vraiment une question cruciale, hein, même, je dis vraiment cruciale, en plus, encore plus ces semaines-ci, mais de savoir c'est quoi le statut du carburant. Est-ce que le statut du carburant, c'est de la pomme de terre ou est-ce que c'est du tabac? C'est vraiment une question cruciale. Hein. Est-ce que c'est de la pomme de terre? Si vous considérez que le carburant, c'est de la pomme de terre, ça veut dire que c'est un aliment de première nécessité. Donc à ce moment-là, il faut le détaxer complètement parce que les gens, voilà. Mais alors si vous faites ça, par exemple en France, je vous promets que quelques décennies plus tard, l'usage des transports, ça devient les États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez le carburant qui n'a quasiment jamais été taxé. Il est très peu, il n'a été quasiment pas. Au début du XXe siècle, la France, c'était le pays du monde où c'était le plus taxé. Donc c'était sans commune mesure le prix de l'essence en France par rapport aux États-Unis. Et donc là-bas, ben, le résultat, c'est quoi? C'est des véhicules hyper gros, on en a parlé, qui font plus de 2 tonnes avec un carburant détaxé. Et puis, une distance domicile-travail, par exemple, qui est 5 km, nous c'est 15, aux États-Unis c'est 20. Donc l'Américain moyen, il travaille 5 km plus loin que le Français moyen. Parce que justement, les carburants sont pas chers, avec un véhicule qui fait 500 kg de plus. Ça, c'est lié au prix des carburants, installés pendant des décennies. Donc est-ce que c'est de la pomme de terre, avec les risques d'effet rebond dont je vous parle là? Aujourd'hui, certains le proposent, hein. Avec les augmentations de prix de carburant, il faut enlever les taxes. Deuxième sujet, est-ce que c'est du tabac plutôt? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on considère que les carburants, c'est une addiction? Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut s'en sevrer. Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer l'automobile, je n'ai pas du tout dit ça, mais au moins les usages addictifs. C'est-à-dire le fait de se dire, mince, je suis obligé de prendre ma voiture pour faire 25 km tous les jours pour aller travailler. Dixit, un gilet jaune. Donc, à ce moment-là, si c'est du tabac, bah, selon on va dire, c'est une addiction à sevrer. Il va falloir l'utiliser qu'avec modération. Dans ce cas-là, il faudrait fortement le taxer. Récolter cet argent et avec cet argent aider comme les patchs, comme éventuellement autre chose pour rapprocher en fait physiquement les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déménager, soit déménager des logements, soit déménager du travail ou alors s'organiser pour y aller moins souvent, voyez, mais pas juste se dire tiens on va donner à cette personne un véhicule moins polluant. Non, l'idée là ça serait de se dire on va par exemple lui augmenter ses revenus pour que du coup déjà ça compense la cherté. Et puis lui-même, dans son petit calcul, il va se dire « Ah oui, mais si ça se rapproche, que ce soit son travail, etc., ah oui, je vais être gagnant. Okay » Donc, il ne s'agit pas de subventionner l'essence. Voilà. La prospective électrique, on pourra en reparler dans les questions si vous voulez. Alors, le marché de la voiture électrique, bon, ben là, on l'annonce comme étant prolifique. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on le fait, on va en reparler. Mais là, alors, là qui vivra verra, mais je vous en reparlerai. On annonce que, vous voyez, ça serait 10% du parc en 2030, la majorité des ventes. Bon. Attention, il y a des gros enjeux d'investissement sur les infrastructures, les batteries, tout ça, vous imaginez. Je vais vous en reparler. Vous en reparler parce que, en fait, et encore, là j'ai pris un graphique qui démarrait en 74, mais bon, 1898, de mémoire, vous avez la voiture électrique qui gagne le concours des fiacres de l'exposition, c'est laquelle en 98 je ne sais plus laquelle c'est. Le concours des fiacres, il est gagné par des voitures électriques. Et là, du coup, la presse s'exclame. La voiture de demain des villes, c'est la voiture électrique. Okay. Sauf que quelques années plus tard, en fait, c'est la voiture à pétrole qui va s'imposer parce que pourtant, elle est plus sale, elle est moins chère à l'achat, pourtant, elle est plus sale, mais surtout, c'est l'autonomie. Elle peut permettre de sortir des villes, à la fois ce qu'elle embarque, mais c'est surtout que l'essence, elle est disponible chez tous les épiciers du monde. C'est comme ça que c'est qualifié à l'époque. Vous arrêtez dans n'importe quelle ville, il y a un pharmacien, un épicier surtout, un petit garage qui vous vend un bidon de 5 litres. Donc du coup, votre autonomie, votre souplesse, elle est grande, ce qui est beaucoup moins le cas de la voiture électrique. Mais par contre, les annonces de décollage exponentiel de la voiture électrique, attention, je vous ai parlé de 98, hein, fin 19e, il y en a eu ensuite dans les années 70, avec attisé par les chocs pétroliers, à chaque fois ça s'est réeffondré. Alors c'est pas forcément que ça va se passer comme ça, hein, mais en tout cas, attention, soyons méfiants. Et puis ensuite, il y a aussi l'électrique version hydrogène, où là on peut se poser des questions sur le fait que l'hydrogène aujourd'hui, c'est quand même 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre par l'industrie. Donc si on fabrique de l'hydrogène vert, admettons, la priorité c'est juste de le livrer aux industries qui aujourd'hui utilisent de l'hydrogène sale. Je veux dire, c'est un peu Shadok
que d'imaginer un machin très compliqué pour utiliser de l'hydrogène vert, alors qu'il suffit juste de le livrer à des gens qui utilisent de l'hydrogène qui est fabriqué à partir de méthane. Okay ? Alors, je ne dis pas qu'il y a forcément quelques niches qui seraient peut-être justifiées en termes des transports pour l'hydrogène, mais l'imaginer pour de la masse, j'y crois pas un instant. On va revenir avec les questions, si vous voulez. Le salut par la technologie, c'est un peu ce contre quoi je lutte. C'est, si vous voulez, ce que j'appelle, depuis Hervor, le messianisme technologique. C'est-à-dire, en gros, on a des problèmes, notamment environnementaux, mais sociaux, etc. Et la réponse, plutôt que de questionner les modes de vie, se poser des questions de sobriété, mais quand même aussi utiliser la technologie, la réponse, c'est non, la technologie va nous sauver. Tout problème est soluble dans la technologie. Donc du coup, ne changez pas vos modes de vie. Votre voiture est polluante, c'est pas grave, la prochaine qui arrive. Votre maison, elle pollue, c'est pas grave, il y a des maisons passives qui ne consomment pas d'énergie, entre guillemets. Donc du coup, est-ce que c'est la technologie qui va sommer? Alors le summum de la technologie aujourd'hui, telle que c'est présentée, en tout cas sur la route, c'est la voiture autonome. Mais qui théoriquement devrait faire de l'éco-conduite. Mais bon, vous savez qu'il y a de la consommation d'énergie externalisée sur le réseau qui est énorme, de la voiture autonome. Et puis la question aussi, c'est est-ce qu'elle va s'additionner ou se substituer? Je vous reparle de la courbe de consommation d'énergie. Si vous rajoutez un nouveau moyen, admettons vert, mais qui s'additionne, je pense par exemple à une petite voiture électrique qui a du succès auprès des jeunes, qui n'ont pas le permis. Bon, ben, la boîte petite électrique, peut-être que c'est sympa, mais si ça rajoute dans la circulation des nouveaux véhicules qui vont augmenter les embouteillages et transférer en fait sur quatre roues de la mobilité qui se ferait à vélo ou dans les bus, franchement, ce n'est pas une réussite. Voilà, petite blague sur le taxi, qui se retrouve au chômage aussi, problème sociologique. Et alors, des clés de réponse, on a bientôt fini. Là, je vous fais un résumé, on ne va pas en parler, vous me poserez des questions éventuellement. Ça, c'est le dernier chapitre d'Hervor sur 40 pages, les solutions qu'il faudrait mettre en place un peu radicales, à mon avis. Alors, je ne vais pas tout vous commenter, évidemment. Mais par exemple, prenons-en juste les deux. On va regarder juste les panneaux, la série de panneaux. Ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, dans l'automobile, c'est de se dire, bon, déjà, on a des véhicules complètement surdimensionnés, alors que les panneaux vous limitent à 130. Bon, ben, à ce moment-là, que les véhicules soient bridés à 130, tout simplement. À ce moment-là, vous avez toute une escalade. Alors, il faudrait aussi les brider en accélération, tant qu'on y est, mais aujourd'hui, vous avez toute une escalade de la masse, de la puissance des voitures qui est juste de l'ostentation. Après, si vraiment vous voulez faire de la vitesse, sur circuit, vous allez louer une voiture sur un circuit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire votre pointe et vous amuser. Mais sur la route, on pourrait très bien imaginer que simplement, voilà, les véhicules sont bridés à 130. Un point d'accélération. Donc en gros, pour se distinguer, vous voyez la consommation mimétique ostentatoire à la Thorsten Veblen, fin 19e, de dire voilà, la classe aisée ou la classe qui veut montrer qu'elle n'est pas la même qu'une autre classe, elle veut se distinguer, mais à ce moment-là, elle se distinguera avec des options, si vous voulez, sur la voiture, mais pas avec la puissance ou l'accélération ou la vitesse de pointe. La voiture française moyenne vendue aujourd'hui, voiture vendue neuve aujourd'hui, sa vitesse de pointe, c'est 180. Donc vous imaginez que la voiture, elle est surdimensionnée. Au niveau du poids, au niveau du moteur, elle consomme trop tout le temps pour être capable d'atteindre ces vitesses-là, éventuellement. Et puis, se dire, les voitures sont trop lourdes, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais à ce moment-là, pourquoi tous ces pick-up là, pourquoi on ne dirait pas qu'un véhicule, à partir d'une tonne 5 à vide, ben, il serait limité à 90, comme les poids lourds? Par exemple, je ne suis pas contre les pick-up, mais un gros pick-up, un apiculteur, qui a besoin de transférer ses ruches, des fois dans des forêts, dans des sentiers, je comprends tout à fait qu'il achète un énorme pick-up américain. Et lui, il ne sera pas dérangé si son pick-up il est limité à 90. Par contre, si vous achetez un véhicule comme ça, super ostentatoire, mais qui est limité à 90 et que sur autoroute, vous vous faites doubler par tout le monde, vous allez moins avoir envie de l'acheter. Okay ? Donc là, l'idée, ça serait de dire, voilà, les véhicules sont tous bridés à 130 et ceux qui pèsent plus d'une tonne 5, bridés à 90. En plus, on va créer une petite catégorie de véhicules, par exemple de moins d'une tonne, utilitaires ou particuliers, qui eux, par contre, vont pouvoir bénéficier davantage fiscaux, de circulation, de parking, un peu à l'image, peut-être un peu moins exagérée, de ce qui se passe au Japon, où vous avez un tiers des voitures qui sont des midgets et qui bénéficient davantage. Et là, c'est vraiment des véhicules assez, vraiment particulièrement compacts et anémiques. Ça, c'est pour l'automobile, par exemple. C'est à réfléchir, tout ça. Après, pour l'aviation, une proposition un peu du même style, ça serait de dire que, et on va limiter la vitesse des avions. Alors, si on pourquoi la ville est limitée à 600? On met un panneau sur les nuages, entre guillemets, de 600 à l'heure. 600, ce n'est pas anodin. C'est juste se dire que les avions à réaction, je vous ai dit, ils ont deux problèmes, ils consomment plus et en plus, ils volent plus haut, ce qui permet d'avoir un air plus dense, mais ça crée des traînées de condensation
Et du coup, ça qui est un impact climatique qui est supérieur à l'effet du CO2 qui sort de la combustion. Donc à ce moment-là, en mettant des panneaux à 600, alors ce n'est pas avec les avions actuels. Avec un avion actuel, vous voulez à 600 et donc à 7000 mètres pour ne pas faire de traînée de condensation du tout. Évidemment, là, vous allez beaucoup consommer parce que votre avion, il n'est pas du tout conçu pour voler à cette vitesse-là, dans cette aire-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour les avions actuels. Ça veut dire que tous les nouveaux avions commercialisés, par exemple, dans 3 ans, vous imaginez un A320, et en fait, à la limite, on garde le tube pour sortir rapidement. Hein. On garde le tube, voilà, on refait les ailes, on met 4 turbopropulseurs modernes, donc des avions à hélice turbopropulseurs, et à ce moment-là, on le design pour pouvoir voler maximum à 550-600 à l'heure et en dessous de 7000 mètres. Et là, à ce moment-là, on va faire une économie de conso et on va faire une forte économie de gaz à effet de serre parce qu'on va virer les traînées de condensation. En revanche, on va rallonger le et rallonger. Si c'est du court courrier, c'est pas grand-chose. Du moyen courrier, on va commencer à rajouter des dizaines de minutes. Du long courrier, là, on risque de rajouter carrément une escale sur le long courrier. Donc, on va vraiment augmenter le temps de parcours pour les trajets très longs. Mais ce que la question qu'on se pose, c'est justement, comme on a dit que la vitesse, c'est ça qui avait un effet rebond sur l'usage, et que du coup, sans cesse accélérer, c'est pas une réponse historique. Enfin, l'histoire nous le montre. Donc, à ce moment-là, si l'idée, c'est de ralentir, ben ça serait l'occasion de ralentir. C'est-à-dire que du coup, un trajet de 10 heures d'avion qui se fait en direct aujourd'hui, si vous faites une escale, ça va être 24 heures en fait, parce que vous allez devoir dormir sur une escale. Donc vous ne partirez pas une semaine à cet endroit-là. Par contre, vous y partirez peut-être 15 jours, mais à ce moment-là, 2 fois moins souvent. Et donc cette histoire de relation entre la vitesse et l'appréciation des trajets et des lieux, ben, vous pouvez voir ce contraste historique, par exemple, en regardant, ça c'est un extrait, donc je vous ai parlé de Robida, où là vous imaginez, ça c'est une vue de la campagne, vous avez les tubes qui passent à travers la campagne, qui transportent l'hyperloop, donc ça c'est un dessin de Robida de 1892, de la vie électrique, et à côté vous avez un extrait du Petit Journal de 1926, grosse diffusion le Petit Journal, en plus à la une, c'est un riche américain, en 1926, qui a pris un fiacre à Paris. Et donc un fiacre à Paris 1926, il y en a quand même déjà plus beaucoup. Hein. Ils ont commencé à pas mal, les taxis commencent à se développer. Un riche Américain qui a pris un fiacre à Paris, il lui a demandé, mais où est-ce que vous m'amenez? Je veux aller Place de la Liberté. Pour ceux qui connaissent, c'est la place Clémenceau aujourd'hui. Place de la Liberté à Biarritz. Waouh! Et je vous paie le gîte, etc. Et surtout, vous passez pas par les grandes villes. Donc il a mis 40 jours pour faire son trajet. Et là, l'article est très intéressant parce que, vous voyez, record peu banal, Paris à Biarritz, il a mis 40 jours pour faire ça, alors que c'est un riche Américain, il paraît qu'il possède deux automobiles aux États-Unis. Et donc l'article écrit, mais c'est vrai que comme c'est congénère, il aurait pu prendre le train, aller à l'hôtel d'Angleterre, à Biarritz, l'hôtel du Palais. Pourquoi il n'a pas fait ça? Il explique dans l'article qu'il a fait exprès de passer dormir chez l'habitant, etc. Mais parce que lui, en fait, retour aux États-Unis, il saura vraiment dire à ses congénères, comme c'est écrit dans l'article, ce que c'est vraiment la France. Parce que s'il avait pris le train qu'il était à l'hôtel avec les autres de sa catégorie sociale, qu'est-ce qu'il aurait retenu de la France? Pas grand-chose. Donc là, cet article questionne vraiment la relation entre la lenteur et la perception du voyage. Voilà. Donc à méditer tout ça. Donc je vous remercie de votre attention. On va passer à une phase de questions. On va d'abord poser deux questions, Lisandre et moi, et puis on passera aux questions du public. Merci beaucoup, Monsieur Castagnette, pour votre conférence. Vous avez parlé brièvement de l'hydrogène. Moi, j'aimerais revenir là-dessus parce que j'y crois encore. Est-ce que, en fait, on sait faire des voitures à l'hydrogène, des avions à l'hydrogène, des trains à l'hydrogène? Les avions à hydrogène, C'est c'est vraiment du encore en papier. des Hein. prototypes. Non, Mais c'est du papier. Hein. est-ce que c'est envisageable d'avoir un transport à l'hydrogène Alors, dans le donc futur? j'en ai parlé. L'hydrogène, c'est comme beaucoup de choses. Hein. C'est une bonne idée au départ. Mais à trop vouloir dire qu'on va l'appliquer partout et on va sauver la planète avec ça, et c'est là où on se met à raconter n'importe quoi. N'importe quoi, sincèrement, par rapport au futur. Après, c'est peut-être pas forcément n'importe quoi pour soutenir un certain business. Ça, c'est autre chose en termes de stratégie de court terme business. Mais bon. L'hydrogène, je vous ai dit, bon déjà l'hydrogène, c'est la molécule la plus petite, donc ça prend beaucoup de place. Donc ça, c'est un premier problème, c'est qu'il faut la comprimer, voire la liquéfier pour qu'elle soit très compacte. Bon, l'hydrogène aujourd'hui, je vous ai dit,
L'hydrogène actuel, donc ce n'est pas un élément naturel ou dans des quantités infimes, l'hydrogène actuel, c'est un produit industriel dont la fabrication est essentiellement faite à partir de carburants fossiles et de méthane, qui correspond à l'émission de gaz à effet de serre de 2% des émissions mondiales. Donc c'est quand même juste énorme. Okay, vous imaginez la quantité en kilowattheure d'énergie qui correspond à 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est énorme. Donc déjà, alors ça veut dire que si on veut réduire les émissions, alors déjà, si on veut réduire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, il ne faut pas qu'on laisse cet hydrogène comme ça, évidemment. Déjà, quel est l'usage? Les deux premiers, les gros usages de cet hydrogène-là, c'est d'abord le raffinage de pétrole. Alors après, vous allez me dire, ouais, des carburants, il en faut moins. Bon, d'accord. Et c'est les engrais chimiques. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais si on passe en bio, on va en avoir moins besoin. Mais bon, admettons 2%. Imaginons qu'on divise par 2 le raffinage et les engrais chimiques, il reste 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on arrive, par exemple, en plantant des éoliennes, en faisant l'électrolyse de l'eau, hein, avec des moyens renouvelables complètement dédiés. Essayez d'imaginer combien il va falloir planter d'éoliennes, etc., pour au moins arriver à substituer 1% en énergie, 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Là, vous en avez pour des années de planter. Et là, une fois que vous avez fabriqué cet hydrogène, il suffit de le livrer à ces industries. Donc, pour réduire les émissions de carbone. C'est hyper simple. Il n'y a aucun moyen à inventer. Voilà. Éventuellement, il faut le transporter. Bon, si on est un peu intelligent, on le fabrique pas très loin. Donc, la première priorité de l'hydrogène vert, c'est juste de substituer à l'hydrogène, on va dire sale, pour des usages un peu essentiels. Voilà. Et là, c'est déjà une énorme quantité. Bon, alors je ne vous dis pas qu'il n'y a peut-être pas des questions à se poser sur le reste, mais la priorité, c'est d'évidence celle-là. Après, vous allez me dire, il y a un autre intérêt. Donc, ça, c'est pour la décarbonatation. Après, il y a un autre intérêt de l'hydrogène, c'est que quand il se transforme en énergie, il n'émet que de l'eau. Donc là, il y a un intérêt, vous vous dites, tiens, dans les villes, parce qu'il y a un intérêt pollution. Okay. Alors là, du coup, ça veut peut-être dire qu'il y a certains transports urbains qui mériteraient peut-être, même si c'est un peu shadow, de se dire, au lieu de livrer l'hydrogène à la fameuse industrie dont j'ai parlé, je vais concevoir, fabriquer un moyen pour essayer de le brûler, c'est shadow, mais il y a un intérêt pollution. Ah, on peut peut-être discuter alors. Okay. Mais alors, le problème, donc là déjà, dans ce que je vous dis, urbain, déjà, c'est pas trop l'aviation, quoi, d'emblée. Okay. Ça pollue quand même. Bon, il y a le décollage hein, autour des aéroports, mais bon, ça reste quand même un peu limité. Donc du coup, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des niches. Vous voyez, un train, par exemple, alors, comme c'est lourd, ça va être très lourd de le transporter, parce que pour que ce soit compact, si vous commencez, par exemple, pour un avion, il faut le liquéfier, ça va être très lourd. Donc là, ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est que ce soit que du court-courrier, en fait. Hein. Attention, hein. C'est que ce soit que du court-courrier, parce que ça va prendre tellement de poids et de place en termes de charge utile sur un avion, que si vous voulez commencer à faire de la distance, vous n'aurez plus de passagers, quoi. Tellement votre avion va être rempli de réservoirs. Donc du coup, il y a une équation qui ne tourne pas, et l'aviation le sait très bien sur le papier. Donc si jamais l'hydrogène il marche en aviation, ça ne sera que pour du court-courrier. Donc ce n'est pas le gros du sujet de l'impact de l'aviation, qui est à la fois le moyen et le long-courrier, les deux de manière assez équilibrée. Donc c'est pour ça que pour l'aviation, je n'y crois pas un instant. Et l'ennuyeux de l'hydrogène dans l'aviation, c'est que c'est un divertissement, au sens latin, divertere, c'est-à-dire se détourner d'eux. Pour moi, clairement, c'est un contre-feu. C'est-à-dire de dire, plutôt que de se questionner, comme je vous ai dit, de se dire, mais est-ce que ce n'est pas la vitesse des avions, les turbopropulseurs, voler plus bas, etc. Si vous commencez à dire, ah non, non, vous inquiétez pas, la technologie est là, l'avion à hydrogène, mais vous occultez tous les autres raisonnements, si vous êtes suffisamment puissant pour dire, ne touchez à rien. C'est le miracle dans 15 ans, tout d'un coup, clac, baguette magique. Okay. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas aller du tout vers l'avion à hydrogène, parce qu'à la fois, ça sera que une niche, et en plus, ça nous détourne du vrai sujet. Et puis, il y a un délai aussi. Hein. Il y a un délai de... On est au stade de la recherche, alors que quand je vous parle de faire un A320 avec des nouvelles ailes et des turbopropulseurs, c'est du développement. C'est du développement. Hein. Et du développement, on a toutes les compétences, les technologies, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, sur les véhicules eux-mêmes, on a un souci, c'est le fait que équiper une station-service avec de l'hydrogène, donc à 700 bars, parce que liquide, c'est très très froid, vous savez, c'est à moins 150 degrés, je ne sais plus. Donc, ça ne sera pas d'hydrogène liquide pour du transport routier. Donc, comprimé à 700 bars, ça prend plus de place, mais équiper des stations-service, ça coûte très très cher. Donc, monsieur tout le monde et sa voiture hydrogène, je n'y crois pas un instant pour cette raison-là. En revanche, peut-être certaines flottes. Par exemple, aujourd'hui, vous en avez de flottes de taxis parisiens, donc c'est vraiment une niche. Hein.
Pourquoi pas? Ce sont des véhicules qui, du coup, ont de l'autonomie plus que des batteries, qui circulent beaucoup dans Paris, qui est pollué. On n'a qu'une seule station-service ou deux ou trois. C'est vraiment, on a investi qu'à deux, trois endroits. Là, on commence à se dire, why not? Voilà. Donc voilà, voilà ma, je pense, les limites. Donc je pense que du coup, voilà, pour les transports, il y a peut-être quelques niches, effectivement. Pourquoi pas un train quelque part, des taxis quelque part, des véhicules de livraison éventuellement qui ont besoin de grosse autonomie. Mais c'est tout. Quelques niches routières. Et sinon, c'est l'industrie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous êtes un expert des transports. Non, un peu plus que nous, quand même. Quelques mesures pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre ? Et la pollution ? Oui. Et la pollution. Comment concevez-vous le futur de la mobilité dans un futur un peu plus lointain, plus que ces recommandations, et dans un monde souhaitable de préférence ? Et comment la vie de tout un chacun en serait-elle affectée ? Ouais. Moi, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a la philosophie, c'est-à-dire c'est pomme de terre ou tabac. Donc pour moi, il faut que ce soit tabac, clairement. Ensuite, le gros souci qu'on a, c'est la transition, en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous deviez partir de la feuille blanche pour construire je sais pas, une cité avec des transports, peut-être qu'effectivement, dès le départ, vous auriez plein de transports en commun bien réfléchis, vous voyez, des choses comme ça. Mais ça, c'est une illusion. Bon, peut-être qu'il y aura deux expérimentations dans le monde, mais ce n'est pas ça qui représente le sujet. La voiture autonome peut être présentée par certains. Oui, au 23e siècle, ça optimisera les transports logistiques pour telle raison. Ça se tient, en fait, leur raisonnement. Sauf que c'est comme si on avait fait table rase d'une ville et on la reconstruisait façon SimCity, je ne sais pas si ça existe encore. Voilà, donc vous voyez, c'est pas ça qui se passe. Bon, sauf malheureusement peut-être dans certaines villes ukrainiennes, terrible pour eux, mais sinon, non, c'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui se passe, ça va être un mélange. La voiture autonome, quand elle va par exemple arriver dans les villes, admettons qu'elle arrive, je suppose que oui, ça va être une catastrophe environnementale. Il faut le voir, il faut bien le voir. Parce que même si on vous dit « Ah oui, mais les trajets optimisés avec la voiture autonome », non, mais quand elle va arriver, la voiture autonome, là, ceux qui vont la voir, c'est une voiture designée pour les embouteillages. Puisqu'aujourd'hui, vous avez plein de trajets que vous n'entreprenez pas parce que c'est trop galère, vous allez vous lancer dans 1h30 de trajet pour aller là-bas, j'y vais à un autre moment de la journée, à un autre moment de la semaine, ou j'y vais pas, je fais une visioconférence. Si vous avez une voiture autonome, les embouteillages, même pas peur. C'est pas grave, je ferai une sieste, je bosserai sur mon PC, je mangerai. Donc les embouteillages, 1h30, c'est pas grave, je pars en avance. Oui. La voiture autonome, mais les jeunes dont je parlais qui peuvent acquérir des petites voitures, ben, je veux dire, la carte scolaire, elle explose avec la voiture autonome. Si tel collège à l'autre bout de la ville, mon petit, je vais t'inscrire, je peux pas t'inscrire là-bas, c'est trop loin, je vais pas aller te déposer tous les matins là-bas, en bus, il y en a pour 1 heure. Ou 1h30, avec une voiture autonome tous les matins, je peux t'inscrire. Les profs, j'ai entendu parler que les profs étaient mieux, je vais aller t'inscrire à l'autre bout de la ville. Je te commande une voiture autonome tous les matins. Vous imaginez un peu la circulation. Les gens âgés qui ne peuvent plus conduire, ou voilà, oui, ils n'arrivent plus. Ah, mon neveu ne vient pas me voir. Je commande une voiture autonome. Puis Médor pour aller. Je vais commander une voiture autonome pour chien. Vous voyez? Des voitures autonomes, vous pouvez imaginer un business très florissant. Et puis, les longs trajets. Les longs trajets, c'est-à-dire, par exemple, vous avez potentiellement un rendez-vous à 400 km de là, y aller, c'est fatigant, 800 km, etc. Vous commandez la voiture autonome le soir, option couchette. Hein, puis, il y a un lit, vous endormez, puis vous vous réveillez à destination. Okay, bien moins compliqué que d'aller à la gare ou je ne sais pas où, ensuite prendre un train, louer une voiture pour aller, etc. Ah non, là, vous commandez la voiture autonome. Vous êtes livré comme un paquet. Donc voilà, il y a un effet rebond potentiel à la voiture autonome. Et à l'intérieur de la ville, il y a aussi un effet collatéral qui est un risque d'effet collatéral, qui est ce qui s'est passé lorsque l'automobile, je vous ai expliqué, au milieu des chevaux, on a commencé en 1900, la jurisprudence, à dire non, il y a des accidents parce qu'il y a des chevaux qui s'emballent tellement elles faisaient du bruit. Non, c'est la faute du cavalier. Enfin, c'est la faute du propriétaire du cheval. Jurisprudence de 1900-1901. Et là, on a un basculement complètement de la chaîne des responsabilités. Vous pouvez imaginer ça avec la voiture autonome. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que lorsqu'elle risque d'arriver, d'autres voitures vont devoir acquérir une petite partie d'autonomie pour pouvoir s'adapter, en fait,
au risque ou à la façon de circuler de ces voitures-là. Voilà. Je crains qu'il y ait ça, en fait. C'est-à-dire qu'on oblige quelque part indirectement aux voitures non autonomes de quand même s'équiper de quelque chose pour que ça puisse rendre compatible l'immersion de la voiture 100% autonome. Donc bref, à l'arrivée, ce que ça signifie, c'est des effets rebonds de partout. Et donc je pense que la transition qui prendra des décennies va être une catastrophe. Et c'est pour ça que je pense qu'elle n'est absolument pas souhaitable. Une catastrophe environnementale et sociale. On va donc passer aux questions du public. Il y a deux micros qui vont circuler. N'hésitez pas à lever la main bien haut. Là-haut. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre conférence. Moi j'avais une question sur ce que vous avez dit sur le trafic aérien, que le Covid finalement ça nous avait juste ramené à 1995. Moi ça m'a vachement choqué, enfin surpris. Oui non mais c'est hyper intéressant parce que et puis vous l'avez dit derrière qu'en 95 vous en souvenez, enfin on se déplaçait, enfin on n'avait pas l'impression d'être des Amish. Du coup ce que je me demandais c'est qu'est-ce qui a changé, enfin pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se déplace autant plus? Est-ce que c'est parce qu'on est plus nombreux ou enfin qu'est-ce que nous on peut changer pour revenir à ce type de trafic qui finalement posait pas spécialement de problème à la population? Voilà. Merci. Il y a deux raisons principales, c'est les prix. Déjà le prix du billet est très inférieur aujourd'hui, en 2019 qu'en 1995. Hein. Je ne saurais pas vous dire l'ordre de grandeur, j'imagine, de mémoire comme ça, je dirais que c'est deux fois moins cher. Hein. Voilà, donc le prix du billet. Et puis les possibilités de destination. C'est-à-dire que, par exemple à Bordeaux, si vous regardez en 95, ben, on peut retrouver sur l'année quels étaient les vols disponibles. Vous aviez peut-être, à part aller à Orly ou à Roissy, vous aviez peut-être à l'époque, je dis un peu au hasard, mais peut-être 15 destinations régulières en Europe. Aujourd'hui, vous en avez 40. Vous voyez ? Donc du coup, le champ des possibles a largement augmenté. Donc je pense que c'est ça, c'est l'offre de destination et le prix. Ouais, simplement. En fait, vous avez une élasticité qui a été étudiée, hein, pas mal. Hein. L'élasticité prix de l'aérien est assez extraordinaire. C'est-à-dire, ce que j'indique aussi dans un bouquin, par exemple, si vous êtes une compagnie aérienne, vous vous apprêtez à vouloir acheter 10 avions. Okay, 10 nouveaux avions, vous faites faire un devis par Airbus. Vous recevez le devis. Et on vous dit, voilà, 10 avions que vous avez demandé, là, c'est tant. Mais on vous dit, ah, il y a une nouvelle génération d'avions, là, ça va bientôt sortir. Ça fait 10% d'économie de carburant, parce qu'on a amélioré les moteurs, je ne sais pas quoi. Par contre, ça coûte plus cher, hein, c'est un peu plus cher. Donc, on vous donne deux devis. Et là, on vous donne quelques jours pour réfléchir. Vous, quelle va être votre décision? Vous êtes la compagnie aérienne. Qu'est-ce que vous allez choisir, à votre avis? Les 10% de carburant moins. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre ça certainement et vous allez acheter plus d'avions. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'en acheter 10, vous allez en prendre 11 ou 12. Parce que vous allez vous dire, ah ouais, mais avec même s'il coûte plus cher à l'unité, avec 10% de carburant en moins, ça va me coûter, en fait, du coup, donc au prix du kérosène, etc., ça va me coûter un peu moins cher. Je vais pouvoir vendre mes billets un peu moins cher. Donc, je vais pouvoir adresser une clientèle un peu plus large. Donc, je vais avoir un peu plus de succès. Et du coup, je vais pouvoir... En fait, il faut que j'en achète 11, peut-être 12. Et c'est là où vous avez l'effet rebond, clairement. Vous voyez, c'est, en fait, du coup, les avions, ils n'ont jamais été aussi économes qu'en 2019, si vous voulez. Sauf qu'on n'a jamais consommé autant de kérosène qu'en 2019. Donc, on est complètement dans l'effet rebond parce que vous avez une élasticité de la demande qui est très friande sur les prix. Il faut voir que la facture carburant d'une compagnie aérienne, c'est en grosso modo, alors ça dépend du prix du pétrole, évidemment, mais très fortement, puisque c'est hors taxe, le carburant acheté, le kérosène. Mais grosso modo, c'est entre 25 et 35% à peu près de son chiffre d'affaires, c'est la facture carburant. Donc si vous avez un avion qui est 10% plus économe, vous allez pouvoir vendre les billets 3% moins cher, immédiatement. Et 3% moins cher les billets, c'est un petit peu plus de business à l'arrivée. Je vous remercie pour votre intervention qui était tout à fait remarquable. C'est un vrai cours, hein, remarquable, que je vous encourage à faire absolument partout.
dans ce genre de contexte. C'est pas moi qui décide, on m'appelle, mais moi j'appelle personne. J'avais une question que je me pose depuis assez longtemps en fait. J'ai jamais pris le temps de faire le calcul, mais je sais pas comment je pourrais le faire. Vous avez dit que il y aurait environ 2 milliards de voitures dans une trentaine d'années. C'est l'AIE, qui le dit, voilà. Pas moi. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible au niveau des ressources de matières premières dont on dispose? Tout simplement. Oui. Alors, en termes de route, par exemple, pour vous donner une idée, le ciment dans le monde, ça doit être 7-8%, parce que le ciment, c'est un gros sujet. Bon, après, vous allez me dire, il y a le sable, etc. Mais prenons le ciment, par exemple. C'est 4 milliards de tonnes par an, de ciment. En Chine, vous voyez, les routes, nous, on voit effectivement de temps en temps un élargissement chez nous de la Rocade, de Bordeaux. Vous voyez, tiens, une nouvelle autoroute là. Bon. En Chine, c'est un autre ordre de grandeur. Hein. En 3 ans, autour de 2012-2013, en Chine, en 3 ans, ils ont consommé autant de ciment que tous les États-Unis pendant tout le XXe siècle. En 3 ans. Donc, en fait, les constructions d'infrastructures, voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de limite au niveau de la construction des infrastructures. Bon. Déjà, le nombre de routes, etc. Pour vous donner un ordre d'idée aussi sur les routes, il était prévu il y a quelques années, il y a un calcul de prévision entre les projets en cours, les projets lancés, les projets probables d'infrastructures routières, terrestres, donc à la fois routes, chemin de fer, terrestres, qu'on construise, alors de mémoire, entre 2010 et 2040, 25 millions de kilomètres de routes. 25 millions de kilomètres de routes. Si vous multipliez ça par, donc ça fait 25 milliards de mètres, ok, vous me suivez? Admettons que ce soit 8 mètres de large et qu'on soit 8 milliards d'habitants en face. Ça fait donc 25 mètres carrés par personne de terre. Ça veut dire donc qu'en 30 ans, on va construire un sol pour les véhicules pour rouler qui est d'au moins d'aussi bonne, enfin, qui est de meilleure qualité que ce qu'on a pour habiter. Donc là déjà, oui, donc je veux dire en termes d'infrastructure, je pense qu'il n'y a pas de limite que vous dites. Enfin, il y aura une limite peut-être plus tard, mais je ne pense pas. Avec ces quantités-là. Après, en termes de matériaux, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait avec la voiture thermique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce 2 milliards, dans la publication, je ne me souviens pas avoir lu qu'il mettait cette réserve. En revanche, cette réserve, je la mets complètement sur la voiture dans son électrification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez les prospectives électriques, d'imaginer qu'on va passer en électrique. Alors, si un seul pays le faisait, je sais pas, soit la Norvège ou la Suède ou la France, pourquoi pas passer en électrique en 20-30 ans? Mais il n'y a pas que la France. Et quand vous voyez les quantités de cuivre, de métaux rares, enfin plus ou moins rares, de cuivre hein, aussi, je pense que c'est illusoire, à la fois en termes de mines à ouvrir, de systèmes de raffinage à mettre en place, de gigafactory, machin, etc., d'imaginer qu'en 30 ans, on substitue 1 milliard de voitures en électrique. C'est une illusion complète. Et alors là, il y a une vraie limite de ressources, au moins pendant plusieurs décennies, de l'électrification totale. Ça, c'est très embêtant, parce que si on se dit qu'il y a une limitation de ressources, à ce moment-là, on va raisonner en affectation. Si on va se dire, ben non. Parce que s'il n'y a pas de limite, si les premiers, c'est les véhicules ostentatoires, des SUV, vous dites, ah ben non, ça donnera l'exemple, et puis après, tout le monde aura sa voiture électrique. Bon, il faut passer par là, malheureusement. Oui, sauf que si c'est limité, ça veut dire que là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on laisse s'électrifier des véhicules complètement surdimensionnés, à la fois en masse, en puissance ou pour des usages pas très justifiés. Par exemple, une voiture citadine électrique, mais qui est la deuxième voiture d'un ménage et qui fait 5000 km par an. Là, vous allez dire, la batterie, elle serait peut-être plus justifiée si le nombre de batteries disponibles sous 20 ans est limité, en tonnes de batteries, si vous voulez. Ben à ce moment-là, un SUV qui embarque, je sais pas moi, 800 kg de batterie, mais qui fait 2 tonnes, 2 tonnes et demie, ben attends, on aurait mieux fait de faire une berline, peut-être, ou deux berlines avec les mêmes batteries, ou 50 scooters. Vous voyez, les deux roues, c'est très polluant. Ça serait une priorité de l'électrification dans les villes. Ce qu'ont fait certaines villes chinoises, déjà. En France, on n'en parle même pas. Alors que pour moi, donc on a un gros problème, je pense, avec le véhicule électrique. Là, oui, on a vraiment un gros problème de ressources, où aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une logique d'affectation de ce qui est le plus efficace. Le plus efficace, c'est les deux roues, c'est les véhicules urbains intensifs. Donc ça va être les véhicules de livraison, éventuellement les taxis, sauf si en autonomie, il manque d'autonomie, on leur met de l'hydrogène. Les taxis, les bus, voilà, ça c'est la priorité des batteries. Mais la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, pas du tout. Par contre, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, on pourrait au moins lui mettre une hybridation légère, de série. Parce que là, on ne consomme pas beaucoup de batteries,
Et là, elle est très efficace parce qu'elle, on économise vite 1 litre de carburant parce qu'à chaque fois qu'elle décélère ou qu'on s'arrête à un stop à feu rouge, elle recharge sa batterie. Donc là, on aurait, donc je suis beaucoup plus favorable, dans une logique de ressources, à segmenter beaucoup plus les batteries et à les affecter, comme je vous l'indique. Et surtout, pas laisser le marché aujourd'hui se faire, où le marché, clairement, c'est le véhicule ostentatoire. C'est ça le marché de la voiture électrique, ce qui est terrible. Ce qui va être, à mon avis, donc, ce que j'annonce, hein, après. Je me mouille et puis j'aurais peut-être tort, mais quand j'annonce un Electric Gate dans 5 ans. Electric Gate, ça sera le fait qu'on aura peut-être dans 5 ans ou d'ici 2030 10%, 15% du parc électrique. Donc on se dira, ah, c'est pas mal, la pollution a diminué, les émissions de gaz à effet de serre aussi. Et là, on fera un calcul, on se rendra compte que rien n'a diminué. On appellera les analystes, comme on a appelé les analystes en 1909, pour voir qu'est-ce qui s'était passé à Paris avec le métro. Et là, des analyses indépendantes diront. Ben non, en fait, mince, les batteries, ben ouais, il y a plein de voitures électriques, mais en fait, ce n'est pas du tout ceux qu'on aurait dû électrifier en priorité. On a des véhicules beaucoup trop gros, trop lourds, des batteries pas assez utilisées, ou... voyez? Donc voilà, je pense qu'on a un souci de ressources sur la motorisation électrique, mais peut-être pas sur la voiture classique. C'est un avis, hein, c'est ce que vous m'avez demandé, hein. On se revoit dans 15 ans, et puis... Merci beaucoup. J'ai une question du chat, donc du live. Je suis là-haut. On a Citrix qui nous demande, enfin, qui vous demande, en quelle mesure le sport automobile modifie notre perception du progrès technologique et en quoi est-ce contestable pour le futur de l'atmosphère? Ouais. Alors dans le sport automobile, il y a, c'est un énorme paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets. Alors, l'alibi, je dirais, c'est grâce à telle contrainte réglementaire sur le sport automobile, on a inventé tel truc qui, 10 ans plus tard, s'est retrouvé dans l'automobile de Monsieur Tout-le-Monde et a permis d'améliorer un chouïa. Vous allez trouver des exemples comme ça qui seront mis en avant. Sauf que aujourd'hui, regardez le premier usage en fait du sport automobile, hein. Enfin, pas usage ou vecteur, message. C'est quoi? C'est un message de celui qui gagne, c'est celui qui va le plus vite. OK? Et derrière, vous avez. Parce que le bilan carbone d'une course automobile, hein, de Formule 1 par exemple, l'un des premiers postes, c'est la publicité. C'est-à-dire tous les grands constructeurs qui mettent leur pub et qui font associer en fait le téléspectateur avec le fait que la voiture rapide et puissante, c'est un symbole en fait. Voyez? Donc en fait, la Formule 1, c'est un vecteur pour vendre à Monsieur Tout-le-Monde justement une voiture qui peut rouler à 200 à l'heure. Ça passe par ce genre de compétition. Okay? Donc et ça, je pense que c'est beaucoup plus, l'impact est beaucoup plus grand de cet impact-là que les quelques progrès techniques que vous pourrez trouver de ci, de là. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, monsieur qui est intervenu doit s'en souvenir comme moi, mais vous, ça ne vous dit rien ce que je vais vous dire. Je crois que c'est en 86 de mémoire, je cite dans Harvard, Alain Prost, il a terminé une course en poussant sa voiture. En fait, les épreuves de Formule 1 à l'époque, avec le plein, si vous aviez le pied trop lourd, en fait, vous n'arriviez pas à finir la course. C'est-à-dire que quelques tours avant la fin, il y avait les journalistes qui disaient: Oh là là, dans la ligne droite, il s'est fait doubler. Oh là là, il doit être dans la zone rouge. Il est en train de lever le pied. Il a trop gaspillé son carburant. Oh là 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 là. Et vous aviez donc Prost qui a poussé sa voiture, il est tombé en panne dans la ligne droite de l'arrivée. Il a fini la course en poussant sa voiture. Donc là, vous avez quand même un message de consommation. Il y a quand même le message de vitesse, les pubs et tout ça. Mais de se dire, tiens, quand même, la conso, faut peut-être un peu faire attention. Je reviens plus en arrière. 59, Jack Brabham, pareil. Il a été sacré champion du monde en 59, en poussant sa voiture et en terminant, je ne sais plus, sixième, une course, en gagnant quelques points. Il a été champion du monde en poussant sa voiture. 59. Je n'étais pas né. Je reviens plus en arrière. Au début du XXe siècle, ça s'appelait les concours. C'était le terme compétition. À l'époque, l'importance des concours de vitesse, comme aujourd'hui sur un circuit, était aussi importante que les concours de consommation. À l'époque, je vous ai dit, c'était encore plus taxé qu'aujourd'hui les carburants, l'essence en France. Et donc, remporter un concours de consommation, c'est-à-dire qu'en fait, les véhicules y tournaient sur un circuit et vous aviez la compétition de vitesse. Là, il fallait faire X tours, et bien, le premier qui arrivait avait gagné. Et quelques heures après, concours de consommation, vous aviez un nombre de tours minimum à faire, mais qui n'était pas du tout important. On vous mesurait avec une pige la quantité d'essence dans votre réservoir avant le démarrage. On plombait le réservoir. Vous faisiez votre course.
et ensuite on ouvrait les commissaires de course, ouvrez votre réservoir, et puis ils remplissaient d'essence jusqu'à obtenir le niveau que vous aviez au départ. Du coup, ça leur faisait le nombre de litres d'essence que vous aviez consommé. Ils avaient mesuré le nombre de tours que vous aviez fait, ils faisaient la division et ça faisait des litres au 100. Et celui qui gagnait le concours, c'était celui qui avait le moins consommé. Et pour un constructeur automobile, vu le prix de l'essence de l'époque, c'était très important de gagner à la fois, si possible, un concours de vitesse et un concours de consommation. Parce que vu du client, il avait comme ça une voiture vitesse, ça voulait dire quelque part robuste, concours de consommation, voiture économe qui allait, ok, en termes de coût. Et là, aujourd'hui, les concours de consommation, alors vous avez me cité, je ne sais plus, le litre, c'est rien, quoi. Enfin, voilà. Donc, je pense que voilà, ça serait une autre redirection à prendre en termes de compétition automobile. Bon, ça serait vrai, et déjà à la fois enlever les publicités, etc., le marché énorme, et puis essayer de repenser aussi peut-être aussi des concours de consommation, et puis les concours de vitesse, essayer de ne pas, voilà, pas tomber dans l'illusion de croire que c'est du bonheur technique pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Les dégâts collatéraux sont bien plus importants. Bonjour, merci pour la conférence. Donc, j'avais une petite question qui est en lien avec d'autres questions précédentes, donc avec celle de M. Pérez sur la consommation des minerais et en même temps avec celle de l'aviation hydrogène. Donc, c'est par rapport à l'usage des fuels synthétiques. Par exemple, l'AIE prévoit que en fait, l'aviation ne serait pas des avions à hydrogène, ce serait plus des avions avec fuels synthétiques, donc produits à partir d'hydrogène et de CO2 capté. Et aussi, si jamais ces fuels synthétiques étaient utilisés à plus grande échelle, il pourrait permettre justement d'avoir moins de véhicules électriques, mais quand même des véhicules qui sont à l'origine d'une énergie électrique, puisque ce sera un fuel de synthèse. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les fuels synthétiques, c'est-à-dire en gros, on va dire, allez, à partir d'énergie renouvelable, on va dire ça, fabriquer, bah, d'ailleurs à partir de l'hydrogène, hein, pourquoi pas, à partir de l'hydrogène, on fait du méthane, à la limite, un carburant liquide. Voilà, donc on obtient un carburant liquide. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vrai que l'aviation, elle a tendance à ne pas du tout annoncer ce que je dis moi, hein. Quoi, turbopropulseur, 600 km/h, 7000 mètres. Je prêche dans le désert pour, enfin, pour l'instant, j'espère. En tout cas, elle a tendance à dire avion hydrogène, mais quand on lui dit ouais, dites ça, court courrier, dans 20 ans, il y a un peu urgence climatique. Ah, alors à ce moment-là, c'est carburant synthétique. Je vous ai dit tout à l'heure, déjà un carburant liquide, donc il volerait dans un avion. Un carburant liquide, c'est super souple. C'est-à-dire que si je vous donne une tonne de carburant synthétique, si c'est utilisable dans un avion, si c'est utilisable dans une voiture, dans un camion, c'est du carburant liquide, c'est utilisable dans n'importe quel en gros, véhicule motorisé. Or, je vous ai dit que le premier usage de l'aviation, c'est le tourisme, c'est le loisir. Donc la question, en fait, c'est plutôt de se dire, si on commence à avoir sur la Terre disponible des millions de tonnes de carburant synthétique au prix d'avoir installé les énergies renouvelables dédiées, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les affecter aux usages essentiels en premier? Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si c'est le touriste qui va en République dominicaine pour faire l'aller-retour pour aller à la piscine, est-ce que c'est lui qui mérite d'avoir le carburant synthétique écolo plutôt que, je ne sais pas moi, la police, l'ambulance quelqu'un qui fait un trajet très important, pas évidemment le quotidien, 30 km, où on pourrait se dire, mince, quand même, la priorité, ça serait plutôt de déménager quelqu'un, quoi, de ne pas faire du domicile-travail à 30 km de distance. Je ne le mettrai pas là. Donc, en gros, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des usages essentiels, pour reprendre les termes récents, et vous avez des usages ostentatoires, des usages de loisirs, etc. Et dans cette hiérarchie-là, si on a des carburants synthétiques sous la main, comme vous dites, la priorité, ça ne serait pas du tout. Ça serait sur les usages essentiels, clairement. Et le gros de l'aviation aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il faut dire, hein, c'est du tourisme. C'est du tourisme lointain. On n'a pas forcément besoin, pour ses vacances, d'aller traverser un océan pour être heureux. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la nécessité. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une illusion de croire que l'aérien pourrait s'arroger la possibilité de capter ce genre de carburant au détriment d'usages beaucoup plus essentiels. Après, dans l'usage de l'aérien, il y a certains trajets. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas le trajet du tourisme, voilà, pas cela. Par contre, il y a peut-être certains trajets, peut-être de fret très importants, pourquoi pas, hein. Ou même, à la limite, certains trajets professionnels. Je ne suis pas du tout contre, hein, que certains trajets professionnels dûment justifiés, parce que les gens qui le prennent, c'est pour aller s'occuper d'industries qui, elles, ne sont pas très polluantes et que justement, il faut qu'ils se déplacent en avion. Effectivement, ils seraient en carburant comme ça. Je le soutiens tout à fait. Mais je vous demande de réfléchir à
à une hiérarchie et en considérer la souplesse d'usage du carburant liquide qui passe partout. Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour votre intervention, c'était passionnant. Vous nous avez montré qu'aucune innovation technologique n'a permis de diminuer les gaz à effet de serre. C'est en général. En général. Voilà, exactement. Et pour moi, le job d'un ingénieur, c'est d'innover. Et vous nous avez montré aussi que la solution, ce serait plus de partir vers la sobriété, notamment vers les transports. Donc pour des élèves ingénieurs qui souhaitent travailler dans l'automobile ou dans les transports par passion et qui en même temps ont une conscience écologique, donc qui souhaitent agir contre le réchauffement climatique, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de partir dans l'automobile ou alors est-ce que je dois revoir mon projet professionnel? Alors, ça dépend. Ça dépend. En fait, attention, vous avez dit la technologie, il y a eu plein de progrès. Le problème, c'est qu'il y a eu des effets rebonds. Donc déjà, votre souci, si vous voulez, c'est qu'il faudrait que vous alliez dans une industrie qui accepte, par exemple, une logique de contingentement. Alors, par exemple, contingentement, c'est-à-dire de limiter l'augmentation du nombre. Si par exemple, regardez par exemple les progrès techniques qui ont été faits par les ingénieurs sur la consommation depuis, on va prendre depuis 80 ans. Mais en fait, les progrès de consommation d'une automobile pour faire un trajet de 50 km par rapport aux années 30, est-ce que vous avez une idée du gain de consommation qu'il y a eu? Il y a quand même eu beaucoup de progrès techniques, on est d'accord, depuis les années 30. Hein. Donc le gain en conso pour faire... l'ENSTA Bordeaux entre 1935, ça existait l'ENSTA en 35? Oui, l'ENSTA pour aller à Bordeaux en 1935, là, combien ça consommait de carburant, et puis aujourd'hui vous le faites avec la voiture moyenne, alors c'est à votre avis le gain c'est combien? Ouais, en fait on a gagné zéro, il y a quelqu'un qui a trouvé derrière vous, donc voilà, on a gagné zéro. Alors pourtant, il y a eu des ingénieurs qui ont super bien bossé, pas que des ingénieurs, des techniciens, etc. Les progrès techniques ont été réels. Le problème, c'est qu'il y a eu un effet rebond énorme. C'est que dans les années 30, retenez, les ingénieurs des publications de l'époque, de bouquins d'ingénieurs et tout ça, que j'ai retrouvé, les ingénieurs dans les années 30, ils étaient d'accord à peu près consensus, c'est de dire que la consommation en litres au 100 d'une automobile conçue dans les années 30, donc du coup, dans la réalité à cause de la guerre, en gros, c'est celles qui sont sorties juste après la guerre, c'est autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Okay, autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Et à la sortie de la guerre, les petites voitures, elles pesaient 500 kilos, quoi. Je sais pas, une 2 chevaux, des choses comme ça, la coque, bon. Allez, 500 kilos, donc 5 litres au 100. Les grosses voitures de l'époque, elles faisaient 2 tonnes, donc 20 litres au 100. Aujourd'hui, les petites voitures, essence, machin, même hybride, allez, 5 litres au 100. Le pick-up de 400 chevaux, 2 tonnes et demi, machin, 20 litres au 100. Donc, gain zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout le progrès technique, et il y en a eu plein, il a été absorbé par plein de choses. Alors, de la performance, alors on roule un peu plus vite, je dirais un peu. On peut rouler beaucoup plus vite, mais en fait, dans la réalité, on roule qu'un peu plus vite. Okay, parce que si vous respectez les limites et tout ça, on est beaucoup plus lourd. Alors, vous allez me dire, il y a des raisons. Alors, on va dire les trois grandes raisons d'augmentation du poids, c'est la sécurité passive. Alors ça, c'est un gros sujet dont on peut discuter parce qu'il y a une partie de sécurité passive qui est véritable pour la personne qui est dans la voiture, mais il y a une partie qui est au détriment de celui que vous tapez. Donc, la sécurité passive, attention. Hein. Si vous vous faites renverser par un SUV de 2 tonnes, si vous êtes à vélo ou à pied, c'est pas pareil que si c'est une voiture d'une tonne. Vous n'allez pas avoir les mêmes bobos. Hein. OK? Donc, par contre, celui qui est dans le SUV de 2 tonnes, lui, il va à peine s'en rendre compte, hein, s'il vous renverse. Alors qu'une tonne, il va être un peu plus secoué. Il y a un rapport des masses, comme une boule de billard contre un ballon de foot. Donc, du coup, la sécurité passive, il y a du bien, mais attention, il y a du pas net. Après, l'acoustique. L'acoustique intérieure. Tout le poids qui est rajouté, des épaisseurs d'isolant, etc., du poids, de la raideur, pour que dans une voiture, vous pouvez écouter votre symphonie presque mieux que dans votre salon. Troisième point, la prolifération des accessoires de confort, c'est-à-dire des petits moteurs de partout, les vitres électriques, des trucs de partout. Voilà. Et donc, c'est tout ça qui fait que les voitures, en fait, ont mangé en fait, le gain du progrès technique. Donc, du coup, la réponse, c'est qu'il faudrait qu'on continue à bosser en tant qu'ingénieur, mais sans effet rebond, quoi. Donc, il faudrait convaincre le big boss de dire, bon, moi, je veux bien bosser pour toi, mais je ne veux pas d'effet rebond sur les volumes. Déjà sur les volumes, c'est-à-dire effectivement, si les voitures consomment deux fois moins dans 30 ans, mais qu'elles sont deux fois plus nombreuses,
comme le dit l'AIE. Bah zut quoi, là vous allez à la fin de votre carrière vous dire merde, j'ai poussé toute ma vie, j'ai fait gagner 50% de conso et à l'arrivée les automobiles du monde elles consomment tout autant qu'il y a 30 ans quand j'ai démarré. Là vous allez pleurer, quoi. Vous allez dire purée, c'est pas possible quoi. Bon. Donc en fait il faudrait être militant à côté, c'est-à-dire bosser, mais être militant pour dire il faut contingenter le parc, c'est-à-dire pousser pour que par exemple les avions, ce que je milite, hein, ah, je ne l'avais pas dit, c'était dans le slide là, quand je vous ai dit 600 à l'heure machin. Sur les avions, comme tous les transports motorisés, moi je préconise qu'on contingente, c'est-à-dire qu'on crée en fait la logique foncière mobile. Dans le logement, vous savez bien que si vous arrivez pour aller travailler dans une ville, vous n'avez pas le droit aujourd'hui de voir un terrain vague et de dire je plante 4 piquets et puis je vais commencer à construire ma maison, c'est chez moi. Ça c'était le Moyen-Âge, les villes grandissaient comme ça. Là aujourd'hui, non, le terrain il est à quelqu'un forcément, il faut passer chez un notaire, il faut en être propriétaire. Mais là aujourd'hui, vous pouvez acheter 10 voitures si vous voulez. Oui, les compagnies aériennes peuvent acheter des avions, bon. Tant que les aéroports se multiplient et grandissent, les pistes s'allongent et tout ça. Donc du coup, il faudrait arriver à se dire non, on va créer la propriété foncière mobile exactement comme Napoléon a créé les cadastres. C'est-à-dire que pour avoir le droit d'utiliser un moyen mobile motorisé, il faut pouvoir l'acheter, le posséder en tant que moyen, mais aussi avoir le droit de l'affréter dans le cas d'un avion. Ou avoir le, voilà. Donc du coup, si vous êtes primo-accédant, j'utilise du vocabulaire de logement hein, exprès, vous-même, par exemple, vous avez le permis, mais vous n'avez pas encore de voiture. Ah, vous voulez votre première voiture, comme si vous vouliez votre premier logement. Ben là, du coup, ben, vous êtes primo-accédant. Donc là, du coup, il faudrait que vous achetiez l'automobile ou la louer, hein, comme vous louez un appart. Mais par contre, vous auriez le prix de fabrication du véhicule, mais aussi acheter le droit d'en avoir une. Et le droit d'en avoir une, ben, si le nombre est fixe, ça veut dire que vous, vous êtes primo-accédant, il faut l'acheter à quelqu'un qui sent d'aimer. Ça, ça peut être quelqu'un qui est très âgé, qui a une voiture et qui décide de ne plus avoir de voiture du tout. Donc lui, il vend sa voiture d'occasion, ça a une valeur, voilà. Et il vend aussi le droit d'en avoir une. Donc lui, il va peut-être faire des affaires, donc il faudra créer un impôt. Vous voyez, un impôt, c'est ce qui s'était passé sur les cadastres. C'est-à-dire le cadastre, c'était à la fois la valeur du rectangle chez le notaire, mais c'est aussi un impôt annuel. Ce qui fait que certaines personnes qui habitaient quelque part et que la maison était à eux juste parce que leur voisin le certifiait, c'était la maison de la famille du Schmoll depuis des générations là. Quand on commence à dire le rectangle, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire la clôture. Si c'était très grand, dès le lendemain, l'année suivante, paf, tel impôt proportionnel, oulala, il y en a qui ont dit non, mais finalement, le terrain du fond, je considère que ça peut être à d'autres pour diminuer l'impôt. Voyez. Donc, ça veut dire que si vous créez le cadastre de la mobilité, spontanément, tous les gens qui possèdent un véhicule, donc un avion, un automobile, ils ont le droit de l'avoir et du coup, ils possèdent le véhicule et le droit. Et après, ben, ils peuvent vendre le droit et le véhicule, c'est deux objets différents. Quoi. Vous voyez, vous vendez un objet physique et un droit, en passant par un notaire. Et donc à ce moment-là, si on avait une stabilisation des parcs, dans ce cas-là, le progrès technique, du coup, conduirait très probablement à une réduction des impacts. Mais là, aujourd'hui, vous avez tellement de cas où, en fait, voilà, l'aviation, deuxième question, l'aviation, à votre avis, donc depuis 1900, je vous ai donné des indices tout à l'heure, hein, quel est le... Vous faites un Paris-Rome en 1955, Paris-Rome en avion, passager. Vous achetez un billet, vous faites Paris-Rome. Vous faites Paris-Rome aujourd'hui. Quelle est la différence d'impact sur le climat de votre trajet? Allez-y, allez-y. Oui, pourquoi? Bah pour les mêmes raisons que vous avez évoquées pour la voiture. Pas c'est plus lourd, on vole plus haut. Alors, pas tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le progrès technique, c'est un facteur 4, c'est-à-dire que la consommation... Ah pardon, je me suis trompé. J'aurais dû vous dire... Oui, c'est ça, oui. Bon, excusez-moi. En fait, des années 50 aux années 60, je vous ai dit, il y a eu un facteur 2 sur la conso. Parce qu'en gros, le parc des avions, il est passé d'un parc à hélice à un parc à réaction. Donc là, on a fait x2. Et depuis les avions à réaction, on a fait une division par 4. Ça, c'est en litres au 100 par passager. Aujourd'hui, on doit être à plus ou moins à 3 litres au 100 par passager sur les avions modernes. C'était à 12 dans les années 60, quoi, grosso modo. Okay, pour le même type de trajet. Donc on a fait x2, puis division par 4. Donc ça fait quand même une division par 2. Sauf qu'entre-temps, on a rajouté le traîné de condensation, dont l'effet est au moins autant que le CO2. Donc grosso modo, bah, finalement, c'est autant. Donc zéro, gain zéro. Par contre, il y a une différence énorme en termes de trafic. C'est-à-dire, vous, votre trajet individuel, Paris-Rome dont je vous ai parlé, bah, l'impact sur le climat, c'est le même. Sauf qu'en 1950, le trafic était très faible. Entre 1950 et 98, on a fait x100 de trafic, le nombre de kilomètres passagers par an en avion dans le monde.
c'est x100 et c'est x3 de 98 à 2019. Donc c'est 300. 300 fois plus de trajets de 1950 à 2019. Donc évidemment, l'impact sur le climat était dérisoire dans les années 50. Mais vous ne l'auriez pas fait dans les années 50, pas parce que vous n'étiez pas né, mais ça aurait coûté trop cher à vos parents et vous ne l'auriez pas payé. Vous auriez pris une voiture, comme Bourville. Merci beaucoup. Bon, à vous entendre, on comprend que vos idées, c'est du génie, quoi. Mais moi, j'aimerais savoir comment on fait comprendre et accepter ce contre-progrès, en fait. En fait, quand vous dites contre-progrès, alors c'est... comment ça s'appelle ? Qui parlait de régrès ? C'est un mot qui n'existe pas. Zut, c'est un philosophe. Ah, je ne sais plus. Bon, bref. Alors, en fait, ce qu'il faudrait arriver à... Pour moi, ce qu'il faut arriver à faire comprendre, c'est que la technologie ne peut pas tout. Mais qu'on ne va pas retourner aux Amish. Si vous voyez ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une poire en deux qui est jouable. Il ne faut pas tout d'un coup dire, soit vous prenez toute la technologie, soit vous prenez rien. Okay. Par contre, prendre le milieu, ça veut dire qu'il faut trier. Alors, moi, je pense que le gros sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on fasse moitié, quelque part, pour caricaturer, mais quelque part moitié de sobriété, moitié de technologie, vous voyez. Et dans la sobriété, il y a consommer moins, mais consommer moins, ça veut bien dire pas consommer plus. C'est-à-dire donc stabiliser les parcs, c'est déjà un premier sujet, vous voyez. C'est à stabiliser les parcs, faire du progrès technologique. Et quand je dis consommer moins, c'est à l'occidental. Parce que si vous stabilisez les parcs, vous comprenez que, je sais pas, des pays africains qui ont très peu d'usage, eux, ça serait bien qu'il y a certains déplacements essentiels qu'on leur développe. Donc, quand on parle de stabiliser les parcs au niveau mondial, ça sous-entend qu'on organise une certaine décroissance dans les milieux occidentaux où on a pléthore de moyens mobiles pour permettre quand même de manière raisonnée à certains endroits, au contraire, eux, d'augmenter. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une dose de sobriété à accepter dans nos modes de vie. Voilà. Mais là, on n'est pas rendu, hein. Parce que moi, quand je vois les jeunes, je vais parler comme un vieux, mais ce que j'écris, mais dont le carnet d'adresse est international, avec les amis maintenant, voilà, vous voyez, moi de mon temps, on avait des correspondants, ça existait, des correspondants étrangers, on écrivait un courrier à la main, on le postait, et puis un mois après, on avait une réponse de quelqu'un qui nous décrivait sur deux pages sa vie à l'autre bout de l'océan, on était super heureux, quoi, d'avoir écrit ça en anglais, quoi, vous voyez? Là, aujourd'hui, votre pote en Amérique du Sud, allez, viens, c'est low cost, c'est pas cher, il y a le festival machin, viens, 3 jours, là, merde, c'est difficile de résister. Voilà. Donc, ça va être très difficile avec la tentation qu'il y a aujourd'hui, la tentation internationale, voilà, de faire de la sobriété. Plus on attend, plus ça sera difficile. Donc là, il y a un enjeu énorme, mais un enjeu générationnel, c'est-à-dire que vous avez la jeune génération qui sent que le monde est à ses portes, mais qu'il y a quand même, pour, on va dire, allez, bonne partie quand même, qui sent quand même que c'est pas neutre. Et puis, à l'extrême opposé, la génération un petit peu plus âgée que la mienne, qui par contre n'a vécu quasiment que de la croissance, a vu sa voiture, au fur et à mesure qu'il l'a changée, devenir toujours plus grosse et plus jolie, plus puissante. Vous voyez. Et puis là, tout de, qui du coup achète un SUV aujourd'hui, à l'âge de 60 ou 70, et qui là, qui ne comprend pas, quoi, hein, qui a la retraite, qui du coup part en voyage en avion très facilement, et qui se dit « Non, j'ai plus que quelques années, il faut que j'en profite. » quoi. Et que pour eux, c'est une remise en cause de toute leur vie. Donc, c'est très compliqué. Parce que voilà, on a des jeunes conscients, mais qui sont tentés, et des personnes plus âgées qui sont aux manettes, et qui finalement se disent « Non, il faut que ça perdure quelques années. Je veux pas me questionner. » Donc, tout ça est très compliqué. Bonsoir. Merci pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Quelqu'un a dit avant qu'il souhaitait peut-être travailler dans l'industrie des transports par passion. Il y a aussi aujourd'hui le mot souveraineté industrielle qui fait que ça a peut-être du sens en France de travailler dans ces domaines-là. Et je voulais simplement vous demander, est-ce que vous auriez un conseil ? Alors, vous nous avez dit, en dehors du travail, militer. Est-ce que dans ce travail-là, est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour un ingénieur qui ferait typiquement de la conception ? Ah oui, moi, je ne vous dis pas de ne pas aller dans les transports. Et puis, dans ce que je raconte, il y a du boulot. Il y a du boulot partout, en fait. Quand je dis qu'il faut revisiter le tableau des contraintes que j'ai mis là, vous avez juste vu quelques extraits, mais pour les ingénieurs, c'est un boulot énorme. Quand on parle, même dans l'aviation, tous les boulots qui sont des boulots de conception, on vire personne. Vous savez, dans l'aviation, il y a des grosses questions qui se posent, évidemment, mais
on a un problème en termes de production, d'effectifs à la production. C'est ce que je vous ai glissé à un moment dans les slides, où je vous ai dit qu'il y a actuellement, enfin hors pandémie, il y a un véhicule sur deux qui est construit pour se substituer, un véhicule sur deux qui est construit pour s'additionner. Si on arrivait à virer celui qui est construit pour s'additionner, à ce moment-là, il faut plein d'ingénieurs pour justement optimiser tout ce qui se construit, puisqu'on est dans la substitution. Donc il faut au contraire plein d'ingénieurs, plein de techniciens. Mais par contre, en termes de cadence de production, là, c'est sûr qu'il faut diviser par deux, grosso modo. Donc les usines qui produisent vraiment des pièces, par contre, tout ce qui fait de la conception, du développement des protos, au contraire, il faut même dynamiser les équipes. Vous voyez ? Il vaut mieux presque que les équipes de développement soient deux fois plus nombreux. Mais l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, on est pris au piège qu'on voudrait à la fois investir dans la technologie, mais laisser doubler. Voilà. Et c'est là qu'il y a mal donne. Donc du coup, l'ingénieur, il ne faut pas qu'il déserte. C'est surtout pas ça que j'ai dit. Enfin, dans mon esprit, il ne faut pas qu'il déserte. Par contre, il faut qu'il milite en même temps, en parallèle. Mais partout, hein. Partout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il milite au niveau social, auprès de sa famille, son beau-père qui veut acheter un 4x4 de 2 tonnes et demi avec des anneaux, je ne sais pas quoi, et lui expliquer qu'il faut acheter français, mais fabriqué en France, c'est déjà plus dur. Et puis qu'il ne faut pas prendre un gros truc comme ça parce qu'il n'y a pas besoin. Et puis il me dit, ah oui, mais pour aller au ski, ben, les chaussures, tu n'as qu'à les louer, quoi, plutôt que de vouloir les embarquer, etc. Vous voyez, voilà, un 4x4, oui, mais tu n'as qu'à chaîner s'il y a de la neige. Vous avez des 4x4 qui sont achetés pour faire quelques kilomètres par an. Au ski, au cas où, les derniers kilomètres, voilà, vous voyez. Donc, voilà, essayez de militer au niveau de votre environnement social, vos amis, votre famille, là, il y a un côté militant, militer éventuellement dans des associations, et puis militer au boulot. Je pense qu'aujourd'hui, alors c'est pas facile, ça, hein, en interne, d'aller... ouais, d'aller au moins à la cantine auprès des collègues, pas forcément devant le directeur en pleine assemblée, poser la question qui fâche. Mais bon, voilà, moi je dirais, pour se lancer, il faut pas déserter, mais il faut voilà, il faut militer et pas hésiter là, et pas hésiter de dire là, les prospectives de croissance qu'on vous promet avec je sais pas, votre prime si jamais l'entreprise vend deux fois plus de trucs, et là dire non non, moi je suis pas d'accord, il faut mettre une prime différente. Pas sur le volume, plutôt sur tel autre critère, parce que le volume, il y en a trop, quoi. Non, voilà, ok. Bon, c'est un conseil comme ça, pas facile. Hein. Une question du live, encore une fois. Que pensez-vous de la contraction de la disponibilité du pétrole dans un avenir pas si lointain? Va-t-on tomber de haut avec nos infrastructures peu propices pour la suite? Alors moi, je suis très circonspect sur le fait que, sur les transports, hein, je vous réponds sur les transports et le pétrole, sur le fait qu'une réduction de la disponibilité du pétrole puisse vraiment être une clé. Parce qu'en fait, ce que je crains depuis plusieurs années, c'est que en fait, autant les réserves de pétrole, alors déjà conventionnelles, on les sait bien limitées. Bon, il y a quand même le non conventionnel, sable bitumineux, pétrole de schiste, qui augmente les réserves disponibles. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qu'on sent limité à quelques décennies. S'il n'y avait que le pétrole, parce que les carburants des transports sont alimentés très essentiellement par le pétrole. Si sur la planète Terre, la décomposition sous pression cuisson lente des végétaux, des machins, avait produit que en carburant fossile du pétrole, je vous dirais oui. Mais l'ennui, c'est qu'elle a aussi produit du gaz et du charbon. Et les réserves de gaz et de charbon sont beaucoup plus importantes. Et avec du gaz et du charbon, on peut faire du carburant liquide. Vous savez très bien, pendant l'Allemagne nazie, en Allemagne, il y a du charbon, il y a très peu de pétrole. Et donc, à l'époque, ils ont mis en place, les nazis, le système Fischer-Tropsch, pour fabriquer du carburant synthétique à partir du charbon. Et c'est comme ça qu'ils faisaient voler leurs avions et rouler leurs tanks. Donc, avec des réserves pléthoriques de charbon, moyennant une gabegie énergétique, mais bon, on peut faire des carburants liquides qui tournent sur des voitures. Le gaz, si demain il y avait moins de pétrole, mais en fait les moteurs au gaz, enfin voilà, des voitures GNV, GNC, vous pouvez convertir en moins de temps que de basculer à l'électrification, vous pouvez convertir les automobiles et les poids lourds au gaz naturel. Donc je suis très embêté parce que vous voyez, le procédé dont on parle sur le carburant synthétique, il est vraiment très industrialisé aujourd'hui en Afrique du Sud, qui a mis en place ça
suite aux sanctions prises contre l'apartheid, le blocus, ils ont beaucoup de charbon. Donc là-bas, vous avez beaucoup de carburant synthétique avec du charbon, carburant liquide, voiture, automobile, normale. Donc voilà, je suis très embêté pour vous répondre parce qu'il y a des énormes réserves de plusieurs siècles devant nous, de gaz naturel et de charbon, qui fait qu'on peut convertir en quelques décennies sans problème la moitié du parc mondial roulant. Donc c'est pas donc la déplétion naturelle entre guillemets du pétrole n'est pas malheureusement la clé de la solution, même si ça peut y participer par une augmentation provisoire des prix. Aux anneaux, il a dit la même chose. Eh bien, je devais avoir une deuxième question, mais elle a déjà été posée. Du coup, je passais la parole à Benji. Je pense qu'on peut clore cette conférence. Merci. Comment ? Tu veux poser une question ? Pardon. Donc, avant de clore cette conférence, nous aimerions vous poser la question que nous posons à tout intervenant, qui est que est-ce que vous pourriez nous donner deux livres à lire et trois conseils ? Conseils, c'est trois ? C'est deux et deux ? Ok, on recommence. Action. Des conseils de manière générale sur cinq conseils, 18 la vie. Livres. Bon. Non, deux conseils pour lui. Alors, deux conseils. Allez, un, je dirais, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est s'intéresser à l'histoire des techniques. Voilà. C'est-à-dire compenser comme vous pouvez, avec des intervenants comme vous avez eu, un peu comme moi, des gens comme ça, quitte à aller plus dans le détail qu'un seul slide, voilà, sur l'histoire des techniques depuis 200 ans. C'est-à-dire vous devez avoir une culture historique des techniques, des transports. Mais moi, je dis des transports parce que c'est mon sujet. Mais pour moi, c'est pareil sur l'industrie, le reste de l'industrie, etc. Mais il faudrait que vous ayez un bagage technique à la sortie de l'école d'ici qui corresponde au même bagage technique de quelqu'un qui finit Sciences Po en géopolitique. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il faut remuer vos profs et puis peut-être faire prendre d'autres profs en plus, qui sont des spécialistes qui vont vous expliquer l'électricité depuis 100 ans, mais un prof, je dirais, pas partisan, hein, qui va vous expliquer les progrès, les régrès, comme on disait, les dégâts collatéraux, les effets rebonds, à la fois de la chimie, de l'électricité, de voilà, vous voyez, ces grands secteurs, les transports, pourquoi pas, on en a parlé. Voilà. Donc, vous intéressez au travers de lectures, par exemple, hein, donc, avec Hervor ou autre, Hervor sur les transports, évidemment. Certains ont dit que c'était la Bible de l'histoire du transport, mais ben, l'autre Bible, puisque le problème de Hervor, enfin, le problème autour d'Hervor, c'est que si vous allez en librairie et vous demandez l'histoire des transports à votre libraire, il va vous proposer que l'histoire du progrès technique, l'histoire de l'aviation avec que des records battus, l'histoire de l'automobile, telle marque, que des vitesses records, style, machin, embouteillage, pollution, climat, jamais, aucun mot là-dessus. Problème social, étalement urbain, pas grand-chose. Sauf dans d'autres livres où c'est qu'un chapitre. Voilà. Donc déjà, vous intéresser à l'histoire des techniques, objectif, effectivement, il faut que je le retienne, ça, sortir de l'école comme sortir de Sciences Po avec la culture géopolitique, qui a démarré au lycée, dans son cas, lui. Donc il y a du boulot pour rattraper tout ça. Deuxième conseil, je vous reprendrai quelqu'un qui est dans l'aviation, qui est peut-être l'aviateur le plus connu, qui est Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, il avait comme conseil, c'était... Ah ben, je vous le dis après. Je vous dis les livres, parce qu'il y a un texte. Et je vous dis le conseil à la fin, sans conclure là-dessus. Un conseil de Saint-Exupéry. Donc, les livres. Vous me dites deux livres. Mais du coup, je vais vous en proposer trois. Mais en fait, ça fait moins que deux. Je vous propose de lire deux chapitres de deux livres différents. Le premier chapitre, vous pouvez, je pense, trouver en ligne, le premier chapitre qui s'appelle « La fin des voyages » de Claude Lévi-Strauss, écrit dans les années 30, dans « Triste Tropique ». Chapitre numéro 1 de « Triste Tropique ». Succès mondial, hein, « Triste Tropique » d'un ethnologue. Mais vraiment le premier chapitre, qui est assez différent d'ailleurs du reste. Premier chapitre, une 10 pages, 15 pages, je ne sais plus. Deuxième conseil, Saint-Exupéry, « Terre des hommes ». Le chapitre qui s'appelle « L'avion ». Voilà. Et là, vous avez un condensé de philosophie d'un héros technicien, si vous voulez.
Et ensuite, un livre complet, allez, un Charbonneau, donc Bernard Charbonneau, je dirais, allez, j'hésite, ouais, allez, le Jardin de Babylone. Jardin de Babylone, Bernard Charbonneau, qui est un, alors, qui était le compagnon de route de Jacques Ellul. Jacques Ellul, qui est un pourfendeur de la technique à tout va, qui était très connu aux États-Unis, un universitaire de Bordeaux, mondialement connu, qui a critiqué le développement de la technologie, de la technique dès les années 50. Et son compagnon de route, qui était beaucoup moins connu, qui au départ n'a même pas réussi à se faire publier. On a compris sur le Star que c'était un très grand penseur, qui s'appelle Bernard Charbonneau. Et à ce moment-là, de Bernard Charbonneau, par exemple, le Jardin de Babylone. Et donc, le message qui est dans Terre des Hommes, c'est qu'il disait, Saint-Exupéry, que, en fait, dans l'histoire de l'humanité, on a eu une morale de soldats, de colons, pendant des siècles, à conquérir la Terre. Il écrit dans les années 30 qu'il va falloir arrêter. Il va falloir commencer à penser à habiter cette Terre et arrêter de tout le temps la conquérir. Et donc c'est ça, ça serait ça le message. C'est repenser le développement comme étant en priorité habiter la Terre plutôt que continuer de la coloniser. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Technimage. Merci à vous qui nous avez écoutés, en présentiel ou pas. Donc on vous rappelle que la semaine prochaine, nous accueillons Madame Anna Créty pour une conférence sur la finance. C'est la dernière conférence du cycle. On vous attend nombreux. Les inscriptions sont ouvertes. Bonne soirée. Je vous rappelle qu'il y a les livres dédicacés par Monsieur Castagnette à l'entrée de l'amphi, enfin juste ici, pardon, juste en bas. Je vous invite à passer.